Alors, j'ai pas... T'as un stylo pour moi ou pas ? Oui. Bien, mes chers collègues, je vous propose de commencer, étant donné que nos délais sont contraints, en commençant par vous remercier pour votre participation active à la soirée de rentrée d'hier soir, qui, je pense, a atteint ses objectifs, à savoir à la fois remercier ceux qui s'engagent pour notre défense et développer les synergies entre eux le plus possible. Vous avez vu qu'il y avait de nombreux profils qui étaient présents et... Félicite de toutes les interactions qui ont pu avoir lieu, même un peu tard dans la soirée. Si les gens sont restés, je pense qu'ils y ressentaient également un intérêt. Et puis, de manière plus concrète, c'était pour nous l'occasion de faire le bilan de l'année écoulée par rapport à la stratégie qu'on avait fixée il y a un an et nous projeter ensemble vers l'avenir. Bon, l'avenir à court terme, bien entendu, c'est le projet de loi de finances 2024. Et mon général, nous sommes vraiment ravis de vous accueillir à nouveau dans cette commission pour continuer notre cycle d'audition au sujet de ce projet de loi de finances 2024 qui va nous occuper sur l'ensemble du mois d'octobre. Cette semaine est chargée. Les semaines suivantes le seront également. Vous avez constaté, mon général, que vous êtes dans une salle également qui a été réagencée, qui rend notamment hommage aux hommes et aux femmes que vous commandez au travers des différentes photos qui sont exposées. Vous le savez, mes chers collègues, le budget de la mission Défense 2024 est conforme à la loi de programmation militaire que nous avons votée en juillet dernier et bénéficie d'une augmentation de 3,3 milliards d'euros par rapport à la loi de finances initiale pour 2023. Mon général, au-delà de ces chiffres importants, nous souhaiterions que vous puissiez nous éclairer sur l'évolution des menaces et du contexte stratégique par rapport aux exigences des contrats opérationnels. Finalement, comment ce budget permet-il de répondre à l'ambition exprimée par le président de la République pour permettre à nos armées d'avoir une guerre d'avance, ainsi que d'éventuels arbitrages entre cohérence, rusticité, rupture technologique, le maintien en conditions préparationnelles et la préparation des armes et le durcissement de nos armées. Au cours de l'examen de la loi de programmation militaire, vous le savez, mes chers collègues, il a beaucoup été question de la transformation des armées. Et nous serions également intéressés pour savoir comment vous pouvez utiliser l'outil budgétaire pour aller dans le sens des mutations évoquées par le président de la République lui-même le 13 juillet dernier, donc après le vote de la loi de programmation militaire, et éventuellement quels sont les chantiers en cours. Voilà, je ne suis pas plus long. Sans plus tarder, mon général, je vous laisse la parole. Merci, monsieur le président. Je suis bien évidemment très heureux à nouveau d'être parmi vous aujourd'hui pour faire un point sur ce projet de loi de finances 2024. Comment le caractériser pour répondre très brièvement à votre question, à vos propos introductifs. Je pense qu'il y a trois caractéristiques qu'il faut retenir. Tout d'abord, bien évidemment, la première caractéristique, c'est le montant important de ce premier pas, 47,2 milliards. C'est 3,3 milliards supplémentaires par rapport à 2023. Et bien évidemment, pour les armées, c'est l'exigence d'être à la hauteur de cet effort de la nation pour se protéger face aux menaces. Ce que je constate, c'est que c'est également la 7e année de hausse consécutive. Donc, bien évidemment, c'est à mon avis un signal très très clair et une logique qui est en phase avec la dégradation du contexte stratégique. La troisième caractéristique, c'est qu'on est dans la première année de la LPM et que ça traduit bien l'accélération de la construction de notre modèle français de défense, qui est un modèle autonome et souverain. C'est en fait ça qui a guidé les travaux de la LPM, mais aussi complet, même si complet nécessite forcément, non pas de faire justement certaines impasses, mais de consentir certains volumes. Et ça, c'est quelque chose qui est différent des autres armées européennes qui n'ont pas ni les mêmes responsabilités, ni non pas fait les mêmes choix, mais ce qui permet par exemple de conduire dans des délais extrêmement brefs des opérations comme Sagittaire, qu'aucune autre armée européenne n'est véritablement en capacité de conduire. L'objectif, le président de la République l'a dit, qu'est-ce qui nous guide, c'est être une armée de référence en Europe pour la France hexagonale et d'outre-mer, qui est une dimension qu'il ne faut pas oublier. Là aussi, c'est une vraie caractéristique. Pour moi, l'essentiel, ce qui est important, c'est d'aller au-delà des chiffres. Alors évidemment, quand on cherche à résumer, la tentation, c'est assez logique d'ailleurs, les chiffres traduisent quelque chose, mais à mon avis, ne traduisent pas tout. L'enjeu est bien de se transformer face aux menaces. Et en fait, avec des chiffres, on ne traduit pas forcément exactement ce qu'il y a derrière et la manière dont on veut l'employer. Et ça, c'est effectivement notre défi, se transformer pour faire face aux menaces qui, elles, évoluent aussi.
un vaste spectre de menaces qui va du risque d'une nouvelle prolifération nucléaire et de la dissémination d'armes de rupture et qui pose des vrais dilemmes, pas qu'à nous. C'est la nécessité d'être prêt à faire face à des affrontements de haute intensité contre un état de puissance et des armées qui auraient des capacités symétriques aux nôtres. Ensuite, c'est bien évidemment le terrorisme qui ne va pas disparaître et on voit qu'il est encore très présent avec des groupes qui cherchent à profiter du chaos tel qu'il existe aujourd'hui. Et pas seulement dans le champ physique, mais on voit que le champ cyber, par exemple, n'est pas exempt de toute menace. Ensuite, c'est bien évidemment la capacité de faire face, ou en tout cas de gérer des crises qui sont plus ou moins liées au changement climatique avec des impacts sur la sécurité, en prenant en compte cette problématique de changement climatique très en amont et le plus profondément possible. Et c'est également, je vous en ai déjà parlé, le sujet de la lutte informationnelle, dont on voit combien elle est présente tous les jours, et je pense qu'on n'a pas encore tout vu, et que l'intelligence artificielle générative nous prépare un nouveau choc dans ce domaine-là, sur lequel il faut se préparer. Donc voilà, pour répondre brièvement à votre question, comment la LPM et le PLF 24 se positionnent. Très bien, merci mon général, et j'en profite pour vous remercier également... puisqu'on est tous conscients ici d'une actualité extrêmement chargée ces derniers mois, et on a bien conscience pour les armées ce que ça signifie comme travail et comme stress. Alors, nous allons, enfin comme stress, en tout cas comme nécessité d'implication permanente. Non. voilà, nous allons prendre maintenant les interventions des orateurs de groupe. Donc, je rappelle qu'elles sont pour une durée de 2 minutes avec une réponse immédiate. Pour le groupe Renaissance, la parole est à Anne Genetet. Merci, Monsieur le Président. Général, merci pour votre propos liminaire, bref, mais qui permet de bien cerner le sujet avec lequel nous sommes tout à fait en phase. Le 5 octobre dernier, devant notre commission, vous annonciez les 3 lignes de force de la stratégie que vous élaboriez alors pour construire l'armée dont le Président a tracé les lignes également, l'armée dont la France a besoin. Vous parliez de cohésion nationale, de solidarité stratégique et de crédibilité opérationnelle. Et c'est autour de ces lignes de force que s'était construite notamment la loi de programmation militaire que nous avons votée en juin dernier. Et je me permets de rappeler ici que c'est notre majorité qui avait stoppé en 2017 l'hémorragie, le budget qui diminuait jusqu'à 2017. Et vous avez souligné que c'était la 7e année consécutive de hausse du budget et des moyens qu'on vous donne. Et puis un an plus tard, nous nous retrouvons aujourd'hui pour cette première année de mise en œuvre de cette deuxième LPM 2024-2030 avec cette mission défense qui voit son budget, vous l'avez dit, augmenter de 3,3 milliards d'euros. C'est donc conforme d'ailleurs à la trajectoire budgétaire qu'on avait votée. Dans ce contexte stratégique, avec de nombreuses menaces que vous avez soulignées, nous permettons aussi de consolider notre supériorité opérationnelle. Nous assurons la cohérence des différentes composantes d'une armée d'emploi. Et vous avez souligné la différence peut-être par rapport à d'autres armées, notamment européennes. Le ministre des Armées avait insisté hier devant notre commission sur les deux volets de la LPM, la loi de transformation certes, mais aussi de réparation. Je voudrais insister sur cette notion de réparation en faisant porter ma question sur le service de santé des armées. C'est un rapport qui a été publié le 2 octobre, il y a quelques jours, par la Cour des comptes, qui a alerté sur la capacité de notre service de santé des armées à honorer son contrat opérationnel au profit des forces. Et lors de la présentation du plan Ambition SSA 2030, vous-même, vous vous étiez exprimé dans un édito du magazine Actu Santé, c'était en mars 2022, et vous y aviez réaffirmé votre volonté, je vous cite, de disposer d'une chaîne santé complète. Vous aviez rappelé que le SSA, notre service de santé des armées, est au cœur de nos armées, il est au plus près des combats, au cœur de tous les engagements, et qui doit être partenaire incontournable des plans d'urgence et au sommet de l'expertise médicale. Alors, nous parlons aujourd'hui un peu, je voudrais souligner, en l'absence des bleus budgétaires, mais malgré tout, pourriez-vous nous informer, nous éclairer sur le renforcement des moyens que ce projet de loi de finances va injecter dans le service de santé des armées. Je vous remercie. Mon général, vous avez la parole. Effectivement, les bleus budgétaires ont été livrés hier soir, mais effectivement, ça laisse un délai extrêmement court. Et vous savez qu'on aura l'occasion de réfléchir entre nous pour savoir comment on peut mieux organiser nos travaux. Mon général, vous avez la parole. Alors, pour répondre très brièvement dans les 2 minutes, tout d'abord, les chiffres, c'est 1,7 milliard qui sont consacrés au SSA. Donc, c'est quelque chose qui est significatif. Et c'est juste ce chiffre-là appuie bien, et vous l'avez parfaitement résumé. En fait, le besoin essentiel pour les armées, en tout cas ce qui est important pour une armée, d'avoir un service de soutien qui soit opérationnel, capable de s'engager bien évidemment en opération, mais également de soutenir les forces dans la vie courante.
et toutes les armées qui ont fait des impasses sur leurs services de santé en essayant de trouver des formes plus ou moins détournées, en fait, le payent très très cher. Donc il ne faut rien lâcher dans ce domaine-là. Et je le dis toujours au directeur central, je suis forcément un client exigeant vis-à-vis du SSA parce que c'est quelque chose qui est capital. Mais je suis un client exigeant et je suis aussi un chef exigeant. Et donc, pour moi, il est important que le SSA dispose des moyens pour remplir sa mission, parce que, en particulier en opération, c'est ce qui permet de remplir les opérations dans de bonnes conditions. C'est ce qui permet de mitiger les risques. Dans la situation auquel on va être confronté, il y a toujours des risques. Et quand on arrive à mettre en place un dispositif santé qui est performant, et on a un dispositif santé qui est performant, ça permet en fait finalement d'aller le plus loin possible pour remplir sa mission. Je citerai juste un exemple récent, c'est l'opération Sagittaire. Vous le savez, où on a eu trois commandos qui ont été blessés. Et objectivement, si on n'avait pas eu le dispositif santé qu'on avait mis en place, avec un module de chirurgie vitale au plus près des actions, je pense qu'on aurait perdu un soldat. Voilà. Merci, mon général, pour le groupe. Je rappelle à l'ensemble de mes collègues que, comme pour l'ensemble des auditions, on aura une partie à huis clos qui suivra, et que, à la fois, vous avez le choix, hormis les orateurs de groupe, de poser votre question en public ou à huis clos, et également le général a le choix, effectivement, dans son propos liminaire comme dans les réponses, de s'exprimer dans la partie publique ou dans la partie à huis clos. Mon général, vous souhaitiez compléter sur la question de Mme Jonten, c'est bon. Pour le groupe Rassemblement national, la parole est à Julien Arancoul. Merci, Monsieur le Président. Mon général, permettez-nous de vous interroger avant toute chose sur le contexte et sur l'annonce du retrait de nos 1500 militaires du Niger. Nous avons bien conscience que les errements du politique ne sont pas de votre ressort, mais force est de constater les conséquences que cela peut provoquer sur nos armées. En effet, cette annonce arrive peu après un premier accord sur une réduction de nos effectifs militaires au Gabon, au Sénégal et en Côte d'Ivoire. En tant que chef d'état-major des armées, vous êtes en charge de l'organisation générale, de la préparation, de la mise en condition d'emploi et des choix capacitaires de nos armées. Pourriez-vous nous dire les conséquences de ces choix sur la réorganisation que cela implique? Nos capacités d'action et de projection vont être réduites, y compris pour les opérations clandestines. D'ailleurs, ne craignez-vous pas un surcoût logistique avec le retrait de 1500 hommes et de nombreux matériels? Concernant le budget 2024, nous prenons acte des livraisons attendues. Nous ne doutons pas qu'elles sont bienvenues, notamment les livraisons de César pour nos artilleries déplumées, pour notre artillerie déplumée, suite à l'envoi en Ukraine de 30 canons, soit en meilleur état. Cependant, l'étalement des programmes suscite notre inquiétude. Quand on voit encore une fois l'état de notre artillerie et de notre défense surface air, qui ont été réduites à peau de chagrin, c'est bien ce mot d'inquiétude qui nous anime. Ce budget 2024 marque également une attention particulière à la préparation opérationnelle pour faire face à l'intensification des conflits. Après une année 2023 marquée notamment par l'exercice Orion visant à simuler un conflit de haute intensité, comment voyez-vous 2024 pour continuer à améliorer la préparation de nos forces? Je vous remercie. En général. Merci, monsieur le député, concernant votre question. Bien évidemment, la préparation opérationnelle est quelque chose qui est au cœur de la loi de programmation militaire, et pour le PLF 2024 également, avec un budget conséquent qui a été concerné. Les domaines que vous avez cités, qui sont des domaines parmi d'autres, tels que la défense solaire ou l'artillerie, c'est également des choses qui sont prises en compte, en tenant bien évidemment... en tenant compte des circonstances et en particulier de l'aide qui est fournie à l'Ukraine, qui est un choix de soutien et qui est passé par ces cessions de matériel, mais qui seront compensées. Merci, mon général. Vous comprenez que sur la partie l'audition de la PLF, on reste sur le périmètre potentiellement du projet de loi de finances et on pourra potentiellement aborder d'autres sujets en complément. Pour la France insoumise, la parole est à Emmanuel Fernandez. Merci, Monsieur le Président, mon général. Alors, merci en effet pour ce propos introductif très, très synthétique. Ma question va porter sur deux points. Le premier autour de la dissuasion nucléaire et le second sur l'arrivée de matériel. Au sujet de la dissuasion, une augmentation de 13,7% des crédits est prévue, portant les crédits à 6,6 milliards,
Selon la presse, en tout cas c'était jusqu'il y a très très peu, quelques minutes, les seuls éléments dont nous disposions pour préparer cette audition. Parmi ces crédits, quel est le pourcentage qui devrait être alloué à la modernisation de la dissuasion et quel est le pourcentage qui devrait être alloué au maintien en conditions opérationnelles de la dissuasion en général? Aussi, un certain nombre de livraisons sont prévues pour 2024. Une frégate de défense et d'intervention, les premières livraisons issues du programme Scorpion et des Rafales. Mon général, pourriez-vous nous dire comment seront répartis ces matériels et où ils seront livrés? Et dans quelle mesure cela répond aux besoins des armées? Enfin, en quoi ces livraisons entrent-elles en cohérence avec notre modèle d'armée? Et enfin, une question peut-être un petit peu plus prospective, mais j'ai l'impression que l'occasion nous est donnée ici de bénéficier d'un petit peu de temps, donc pourquoi ne pas le consommer? Que penseriez-vous, mon général, pour définir l'avenir de la dissuasion, de la proposition d'un commissariat général à la dissuasion de demain, sorte de laboratoire réunissant l'ensemble des acteurs pour anticiper les technologies de rupture, définir les possibles stratégiques et techniques de la dissuasion et penser les besoins des armées? Je vous remercie. Mon général. Monsieur le député, concernant votre question relative au PLF, en ce qui concerne la dissuasion, c'est 750 millions qui vont être distribués. La dissuasion, tout le monde en est conscient, on avait eu ici une séance dédiée à la dissuasion, qui est bien comprise par tout le monde comme étant le socle et, de notre défense et, entre guillemets, notre assurance-vie. Et donc les crédits qui sont alloués sont parfaitement calculés, parfaitement justifiés. Et surtout, c'est ce qu'on avait eu l'opportunité d'élaborer et de discuter ici, c'est qu'il y a une vraie nécessité d'anticipation et de finalement jamais se retrouver en situation de, non pas d'échec, mais d'incertitude. Et donc c'est comme ça qu'elle est construite et c'est comme ça que ce budget est consacré. Merci, mon général. Pour le groupe Les Républicains, la parole est à Christelle Dintorny. Merci, monsieur le président. Général, je tiens à vous remercier au nom du groupe Les Républicains pour votre présence aujourd'hui, d'avoir pris de votre temps pour venir répondre à nos questions au sujet du projet de loi de finances pour l'année 2024. Votre expertise et votre perspective en tant que plus haut responsable militaire de notre pays sont d'une importance cruciale dans cette discussion. Nous observons que le budget du ministère des Armées connaîtra une augmentation significative de 3,3 milliards d'euros en 2024, portant le total à 47,2 milliards d'euros conformément à la loi de programmation militaire en vigueur. C'est une augmentation notable de 7,5%, ce qui est un signal positif pour notre capacité de défense nationale. Cependant, comme vous le savez, les contraintes budgétaires et les pressions financières ont souvent limité les déficits capacitaires de nos forces armées. Les défis, pardonnez-moi. Cela a eu des conséquences sur l'opérationnalité de nos forces armées et sur le moral de nos troupes. Dans le contexte actuel où la France est confrontée à des défis sécuritaires complexes, tant sur le plan national que sur le plan international, il est essentiel que nos forces armées disposent des ressources nécessaires pour accomplir leur mission. Ma question porte sur le suivi rigoureux de ce budget. En tant que chef d'état-major des armées, sur quel aspect de cet effort financier pour 2024 serez-vous le plus vigilant? S'agira-t-il du maintien de l'opérationnalité de nos forces, de la modernisation de l'armée, de l'amélioration des conditions de vie des personnels ou d'un autre aspect crucial? Ainsi, pouvez-vous nous fournir des détails sur les priorités spécifiques que vous considérez comme essentielles pour garantir que ce budget soutienne efficacement nos forces armées et respecte bien sûr la loi de programmation militaire en place? Je vous remercie. Merci, Madame les députés, concernant votre question. Vous avez raison, c'est un vrai sujet en termes de construction et de suivi de la LPM. Et quand j'étais intervenu ici sur les axes qu'on allait mettre en place pour construire la LPM, je vous ai parlé d'équilibrage et de cohérence. Et je pense que c'est là-dessus que ma vigilance va être la plus forte. Équilibrage et cohérence, ça veut dire qu'en fait, c'est justement un peu le contraire du tableau Excel. Le tableau Excel, c'est quelque chose qui est assez facile à suivre et qui est posé. Or, en fait, c'est tout ce qu'il y a autour qui est un peu compliqué et qui peut se faire assez facilement rogner, volontairement ou involontairement. Et dans ce domaine-là, à juste titre, vous avez souligné le soutien. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Et il y a un vrai effort qui a été fait en direction du soutien pour qu'on bénéficie dans les forces d'un soutien qui soit à niveau. C'est à mon avis, quelque chose qui est très important, la vie au quotidien. La deuxième chose, c'est l'entraînement, la préparation opérationnelle qui représente finalement des sommes assez peu importantes
au regard de l'ensemble et pour autant qui sont essentielles. Et quand on fait des encoches dans la préparation opérationnelle, en fait, avec peu d'argent, finalement, on déconstruit beaucoup de choses. Et c'est la cohérence, c'est-à-dire l'équilibre entre les matériels détenus, la capacité à entraîner les hommes dessus et disposer des munitions à la fois pour s'entraîner et pour éventuellement s'engager. Donc c'est là-dessus que portera mon effort. Merci, mon général. Pour le groupe démocrate, la parole est à Sabine Tilaï. Merci, Monsieur le Président. Général, au nom de mon groupe, merci pour votre présence. Moi, je voudrais plus particulièrement parler des 300 millions d'euros qui sont attribués au cyber, mais ça englobe quand même plusieurs sujets. Ça va de la protection des systèmes d'information de communication militaire jusqu'à la facilitation de l'emploi de la cryptographie. Mais on a vu aujourd'hui, quand même, vous avez dit, on doit se transformer face aux menaces et la lutte informationnelle est quand même devenue un des grands enjeux majeurs. On le voit avec particulièrement le développement de cette lutte en Russie avec la guerre en Ukraine. Alors, quel est véritablement le développement de nos capacités défensives, offensives et d'influence, donc ce volet spécifique du cyber, et comment s'articule en fait la défense nationale avec la sécurité nationale? Parce que là, on est quand même en face d'un sujet où il y a une certaine porosité aussi entre privé, public, entre cybercriminalité et cyberdéfense, et comment vont être fléchées ces sommes. Merci beaucoup. Merci, Madame la députée. En fait, ce que vous soulignez, c'est qu'en fait, effectivement, et là aussi, ça veut dire que c'est difficile de tout mettre dans des boîtes et que les choses sont beaucoup plus interconnectées qu'on ne le pense. Déjà, entre les grandes fonctions ou les grands domaines au sein de la LPM pour les armées, mais aussi en interministériel. Donc, vous l'avez dit, le cyber, ça recouvre beaucoup de choses, des choses qui sont visibles, des choses qui sont moins visibles, des choses qui sont offensives, des choses qui sont défensives pour notre sécurité, des choses qui sont indirectes, par exemple, tout ce qui est influence. L'influence n'est pas que cyber, mais aujourd'hui, ça a pris une place extrêmement importante qu'il ne faut pas négliger. Et il y a un champ qui doit être bien couvert, c'est le champ de l'interministériel, puisqu'en fait, on ne se défend pas dans le domaine cyber uniquement pour défendre les moyens militaires, mais que c'est l'ensemble de la nation. Et donc, on parle bien là de défense nationale et de sécurité nationale. Mais on a un dispositif qui est quand même assez bien construit. Et c'est d'ailleurs la Première ministre qui avait pointé du doigt ce sujet-là, en veillant à ce qu'il y ait quand même une vision interministérielle des choses qui soient prises en compte et que l'argent qui soit mis dans le cyber pour la partie militaire soit bien connecté et bien raccord avec ce qui est fait dans les autres ministères et de manière globale au niveau de la nation. Merci, mon général. Pour le groupe socialiste, la parole est à Anna Pic. Merci, monsieur le président. Mon général, comme il vous l'a été dit, vous excuserez peut-être le manque d'analyse financière du PLF, puisque nous n'avons pas eu les bleus avant hier soir et qu'il est donc extrêmement compliqué d'avoir une analyse fine. Donc ce projet de loi de finances, comme nous en avons eu les documents de communication, est marqué pour 2024 s'agissant de la mission défense par certaines augmentations significatives de crédits, lesquelles étaient attendues en ce qu'elles viennent entériner les engagements pris dans la loi de programmation militaire que nous avons votée l'été dernier. Parmi ces augmentations, les nouveaux espaces de conflictualité tels que le cyber et le spatial sont concernés, tout comme la dissuasion ou encore la préparation opérationnelle pour faire face à la perspective d'un conflit de haute intensité. C'est sur ce dernier point que je souhaite revenir plus en détail. À la suite du coup d'État perpétré au Niger en juillet dernier, après avoir effectivement été assez ferme dans un premier temps, Emmanuel Macron affirmait donc le 24 septembre que le personnel diplomatique et les militaires sur place rentreraient en France d'ici la fin de l'année. Militairement, une page historique semble ici se tourner, malgré l'attachement que nous avons eu à travailler sur ce continent africain pour soutenir finalement ce continent face au terrorisme, en partie aussi, nous avons pu le lire dans un article du Monde, pour des raisons organisationnelles. En effet, le continent africain représentait un traitement parfaitement approprié, francophone, et permettait de confronter les troupes au combat. Cette situation de retrait n'est donc pas sans créer une forme de désarroi. Dès lors, cette fin
pas tout à fait programmée ou plutôt pas tout à fait anticipée comme telle des OPEX en Afrique, va-t-il avoir un impact budgétaire sur notre préparation opérationnelle? Le trait de nos troupes en Afrique va-t-il nous poser un problème d'entraînement? Et l'augmentation des crédits alloués à la préparation opérationnelle suffira-t-il donc à pouvoir compenser ce que nous pouvions faire au feu? Je vous remercie. En général. Madame la députée, en maintenant à ce qui concerne la LPM et le PLF, en fait, pour les armées, en fait, il y a rarement une année qui se déroule telle qu'elle est prévue au départ. Et donc, en fait, effectivement, le Niger introduit une nouvelle donne dans un tas de domaines. Et c'est quelque chose qui va bien évidemment être adapté et pris en compte avec des évolutions de coûts, en particulier sur des opérations en moins à conduire, mais une opération de désengagement qui est forcément toujours coûteuse, avec des conséquences effet de bord, non pas sur la préparation opérationnelle, puisqu'en fait, on ne faisait pas de préparation opérationnelle au Niger, mais forcément des évolutions sur la préparation des forces sur d'autres opérations. Merci, mon général. Et enfin, pour les orateurs de groupe, la parole est à Jean-Charles Arseneur pour le groupe Horizon. Merci, monsieur le président. Mon général, d'abord, en liminaire, je tiens à travers vous à remercier très chaleureusement et très vivement le 5e régiment interarmes d'Outre-mer, qui m'a fait un formidable accueil avec le COM-FFDJ, le général Boyté à Djibouti, et qui fait un super boulot, autant le dire très sincèrement et très franchement, à la fois pour notre souveraineté et pour la souveraineté de Djibouti. J'aurai l'occasion d'y revenir dans un rapport pour avis ultérieurement. Ma question porte sur le pivot vers l'Est et la haute intensité dont vous êtes le grand architecte. Parmi les crédits de ce PLF pour 2024, comment appréciez-vous l'orientation de ces crédits précisément vers l'équipement, l'entraînement dans cette optique, avec donc le développement d'une posture renforcée à l'Est pour se projeter davantage dans le continent européen, dans la perspective aussi, éventuellement, vous nous le direz, de la constitution de corps d'armée ou d'un corps d'armée avec comme nation cadre la France au sein de l'OTAN, parce que c'est vrai que ce corps d'armée devient finalement, avec l'évolution des choses et la posture russe agressive, le nouveau maître étalon de l'investissement politique des membres de l'Alliance et donc de leur capacité à générer de la puissance. Je vous pose la question un petit peu sur tous les volets, c'est-à-dire l'équipement, l'entraînement, les soutiens, la logistique. Je vous remercie. Général. Monsieur le député, effectivement, votre question est centrale. Alors bien évidemment, vous le traduisez sur pivot vers l'Est, ou en tout cas une inquiétude dans ce domaine-là. De manière plus générique, c'est un peu en fait faire face à un nouveau type de conflictualité qui est la probabilité ou la possibilité qu'on soit confronté à une guerre qui nous soit imposée. Et en fait, comme vous l'avez dit, ça couvre l'ensemble des champs. Et c'est un peu ce qu'on avait traduit dans les trois axes qu'on avait identifiés en termes de cohésion nationale, de partenariat stratégique et de crédibilité opérationnelle, puisqu'en fait, c'est quelque chose qui impacte beaucoup plus la défense nationale que uniquement un engagement militaire. Donc c'est cette prise en compte, cette prise de conscience, en fait, se traduit sur l'ensemble de ces champs-là, depuis la cohésion nationale, parce que c'est les forces morales qui sont essentielles et que derrière les forces morales, c'est bien l'ensemble des nations qui sont concernées. Je pense que l'Ukraine le montre assez bien et c'est un des enseignements qu'on a tiré assez vite. En termes de solidarité stratégique, on voit bien que face à un risque de guerre imposée, les liens qui sont tissés, la nécessité d'être intégré dans des organisations de défense collective, mais d'avoir, au-delà de ces organisations de défense collective, tisser des liens avec des pays en particulier, quelque chose qui est très important, et la crédibilité opérationnelle avec un certain nombre de domaines, dont certains ici ont déjà parlé, sur des fonctions qu'on avait qu'on avait estimées qui étaient moins utiles et donc un peu moins abondées, sur lesquelles il faut remonter. On a cité la défense solaire, il y a aussi des moyens de franchissement, par exemple, ou des moyens d'artillerie, mais également dans le domaine aérien, sur des moyens de lutte anti-radar, par exemple, pour entrer en premier. Donc ça se traduit sur l'ensemble du champ, et je pense que c'est vraiment la caractéristique de cette prise de conscience d'une nouvelle conflictualité auquel on peut être confronté. Merci, mon général. La parole est à Bastien Lachaud. Nous avons fini avec les orateurs de groupe ? Oui, exactement. Ah, bah, très bien. Écoutez, monsieur le président, merci. Général, merci d'être là, à défaut de nous régaler de réponses abondantes. Mais
J'espère pouvoir avoir des réponses peut-être plus précises, notamment sur la question du financement des missions opérationnelles. C'est une nouveauté que ces missions opérationnelles depuis quelques années, notamment sur le flanc est de l'Europe, missions opérationnelles qui sont aujourd'hui financées directement sur les BOP d'armée et qui bénéficient à la fin de l'année d'un financement interministériel dans le collectif budgétaire quand cela est nécessaire. Quand il s'agissait de ce qui se passait dans les pays baltes, il s'agissait de peu de fonds, mais avec la mise en place de la mission en Roumanie, les budgets ne sont pas les mêmes. Déjà, pourriez-vous nous indiquer quel est le coût, enfin le surcoût d'une certaine manière, de ces missions opérationnelles sur une année pleine ? Comment ce budget est financé ? Y a-t-il une tension sur les BOP d'armée du 178 en raison de ce mode de financement ? Êtes-vous garanti d'un financement interministériel pour le compenser ? Et au final, n'y a-t-il pas là une sorte de parallèle à faire dans un mode de financement avec les OPEX, sauf que ce n'est pas le BOP OPEX qui est utilisé pour le financer ? Ne serait-il pas plus simple, en fait, d'user de ce mode de financement plus classique ? Général. Monsieur le député, question complexe, en tout cas avec beaucoup de tiroirs à tirer. La première chose, c'est que vous parlez de quel est le coût en fait établi par exemple de la mission Aigle. En fait, la mission Aigle a débuté début 2022, donc ça fait un peu plus d'un an d'existence. Et donc on n'a pas encore une opération qui est entre guillemets en régime de croisière. On a forcément une phase d'installation qui est toujours d'une part de projection, puis d'installation. Qui est forcément quelque chose qui n'est pas rythme établi. Donc on a des chiffres, mais je ne suis pas sûr que ce soit totalement significatif. Non, mais je n'ai pas dit que je ne vais pas vous donner les chiffres. Je vous dis que les chiffres qu'on peut avoir sur cette année-là ne sont pas forcément les plus parlants, en tout cas dans la durée. Ça, c'est la première chose. Aussi parce que probablement que cette année, on n'a pas atteint encore le niveau d'entraînement, par exemple, qu'on conduit en Estonie, maintenant qu'on est en régime établi. Donc c'est des choses qui se coulent que ce qu'on pense. Donc je vais vous donner les chiffres. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, en ce qui concerne le financement, qui répond effectivement au BOP OPEX, qui correspond à une situation administrative. BOP OPEX, en fait, une dénomination d'ailleurs qui est un peu de... On avait pris OPEX générique. Je pense que c'est en fait surtout les opérations en fait, qui sont décidées au niveau politique. En fait, c'est ça que ça traduit, le BOP OPEX. Donc maintenant, c'est une évolution de la conflictualité. Et donc, effectivement, des opérations qui, jusque-là, étaient des opérations de déploiement et de réassurance, et qui sont encore considérées de la même manière. Là, il y a un vrai débat à avoir. Et donc, quel est le fléchage de cette compensation ? La deuxième chose, c'est que vous avez raison de dire que ces opérations, enfin, en tout cas, ces missions-là, c'est des missions dont il s'agit, sont payées par les BOP d'armée, pas totalement, puisqu'en fait, il y a quand même l'interarmée qui prenait une part qui était liée à la projection. Donc, c'est pas si net que ça. Voilà, mais je milite et j'avais posé sur la table depuis un certain temps déjà la nécessité de reconsidérer en fait la manière dont ces opérations-là ou ces missions-là sont conduites et avec quelle intention. Puisqu'en fait, c'est seulement l'évolution de la conflictualité qu'on doit prendre en compte et qu'en fait, ça, à mon avis, ça a bien évidemment un impact sur la manière dont c'est payé. Ça sera toujours payé d'une manière ou d'une autre, mais néanmoins, le fléchage, pour moi, ne doit pas être exactement le même. Est-ce que vous voulez les chiffres ? De la mission Aigle, ou c'est pas ça qui vous intéressait vraiment ? Je pense que j'ai un plan, mais je serais ravi que vous me les confirmiez. Alors, est-ce qu'on a ça ? Alors, en ce qui concerne le financement des MISOP, le surcoût en Estonie en 2023 est de la classe 700 millions, 22, pardon, pour la classe 23, pour l'année 23 de classe 600 millions, et pour la partie Roumanie, c'est ça ? Non, c'était pour le flanc est. C'est pour le flanc est, pardon, pas pour l'Estonie. Heureusement. Même si en Estonie, les gens s'entraînent beaucoup. Beaucoup. Merci, mon général. La parole est à Franck Giletti. Merci, monsieur le président, mon général. Se résoudre à dire que nous rencontrons des difficultés en termes de recrutement reviendrait à mener une analyse incomplète,
puisque celle-ci ne semble finalement être en grande partie que la conséquence d'une impossibilité de fidéliser nos militaires. En témoigne d'ailleurs l'inquiétant constat mené par le Haut Comité d'évaluation de la condition militaire à propos des officiers, constat qui s'étend malheureusement aux sous-officiers et militaires du rang, dont on connaît déjà l'ampleur du phénomène de départ. Alors que le concept d'armée de masse a laissé place à celui d'un format d'armée plus cohérent avec la LPM, nous peinons néanmoins à stabiliser les effectifs. Cela s'explique notamment par la concurrence menée par le secteur civil, les conditions de vie offertes aux militaires, la crise de sens inhérente à la société, les difficultés familiales liées à la mobilité et surtout les perspectives d'évolution de la grille indiciaire qui sont d'autant d'éléments qui viennent contraindre les enjeux de fidélisation. Par exemple, nous comprenons qu'il puisse être démotivant pour un militaire du rang présent dans l'institution depuis 8 ans d'être rémunéré à la même hauteur qu'un nouvel entrant. Dès lors, mon général, vous qui connaissez nos armées mieux que personne, sur quel métier et quel grade, je fais naturellement la distinction, faut-il accélérer nos priorités ? Mon général. Merci. Merci pour la description de la situation. C'est un constat qui est assez juste, même si peut-être un tout petit peu orienté, mais on a un vrai sujet. Le sujet ressources humaines est quelque chose qui est capital et qui est le problème majeur. Et comme vous le... En fait, en tout cas, c'est ce que vous traduisez. On peut avoir une loi de programmation militaire en augmentation permanente. Le jour où on n'arrivera plus à recruter et à garder nos soldats, en fait, on sera en grande difficulté. Donc, c'est essentiel. C'est pas quelque chose qui me rassure. En fait, beaucoup d'autres pays ont été touchés avant nous par cette difficulté-là. Et donc, c'est quelque chose sur lequel on s'est penché. Et en fait, quand vous dites quel métier, quel grade, en fait, je pense que le problème est plus général que ça. Et en fait, c'est ce que vous avez décrit, parce qu'en fait, c'est des caractéristiques déjà du marché du travail. Il n'y a pas un marché du travail militaire et un marché du travail civil. En fait, il y a un seul marché du travail. Et que le marché du travail, il traduit l'évolution des mentalités et il traduit l'évolution de la relation employeur-employé. Tout simplement. Et les armées ne sont pas en fait dans un espace différent et ou dans un monde parallèle qui leur permette d'échapper à ça. Donc c'est quelque chose qui nécessite une vraie prise en compte profonde dans cette affaire-là, avec des mesures dans la durée. Et tout ce que vous avez traduit, je pense que c'est derrière, il y a la question fondamentale. En fait, quand un pays décide et met 413 milliards pour une loi de programmation militaire, ça veut dire que... Mais quel est le sens véritablement là-derrière? Et donc, qu'est-ce qu'on accepte d'avoir et qu'est-ce qu'on met sur la table? Et je pense que ces questions-là ont été un peu par la force des choses, parce qu'en fait, l'outil militaire n'a plus été, Dieu merci, ces dernières décennies confronté pour les choses les plus graves auxquelles il pouvait être fait, mérite d'être vraiment posé et sous-posé. Et de fait, qu'est-ce qu'on y met derrière et qu'est-ce qu'on consent pour les hommes qui vont s'engager là-derrière? Et ça, je pense que c'est vraiment essentiel. Voilà. Et donc, tout en découle. Tout en découle. Et je trouve assez juste la définition, en fait, qui est... en fait, on ne paye pas une armée pour ce qu'elle fait, mais pour ce qu'elle doit être capable de faire. Et vous voyez bien que là derrière, il y a tout un tas de sujets, rémunération, en tout cas type de rémunération choisie, mais aussi place dans la société et reconnaissance, non pas dans besoin de reconnaissance, même si le besoin de reconnaissance, vous allez au contact de nos militaires et vous savez qu'ils ont besoin de reconnaissance. Mais en fait, comme tout homme et femme normalement constitués, eux aussi. Mais en fait, c'est exactement comment la nation va reconnaître qu'on a finalement une catégorie de personnes qu'on a pris, formées, payées, et qui, le jour où ils devront être présents pour remplir la mission qu'on leur fixera, seront là. Avec, bien évidemment, pour être prêts, parce qu'on peut finalement dire, mais finalement, il faut baisser le niveau de suggestion militaire pour que ça en devienne un peu des gens comme les autres. Mais si vous avez seulement des gens comme les autres, non pas que les militaires veulent être à part, mais pour ce qu'ils soient capables de faire le jour où on en aura besoin. En fait, ce que vous avez dit, mobilité. Mobilité, c'est quelque chose qui est intrinsèque. C'est une disponibilité de tout lieu, tout temps. Il faut bien évidemment qu'on soit capable de maîtriser ça le mieux possible, parce que le monde du travail, la société est ce qu'elle est. Mais néanmoins, dire à un militaire « Non, mais on va arrêter d'avoir de la mobilité », c'est quelque chose qui serait déjà... La mobilité, c'est ce qui permet l'escalier social. L'escalier social, c'est ce qui construit les armées.
En fait, si le chef ne s'en va pas, en fait, le subordonné ne bouge pas. Or, en fait, dans les armées, une des caractéristiques majeures est qu'on est toujours en train de se préparer à prendre la place de son chef. Et qu'en plus, votre chef vous aide à vous préparer pour prendre sa place. Ce n'est pas « is no good », exactement ça. C'est l'escalier social. Et je pense que c'est capital. Mais que, bien évidemment, cette mobilité, elle a un impact. Et cette mobilité-là, l'impact n'est généralement pas pour le militaire lui-même. Ça, je vous laisse libre. Mais... Donc ça, c'est important. Et bien évidemment, les conséquences de la mobilité sont extrêmement fortes. Et il faut réussir à le prendre en compte. Et on voit bien que prendre en compte ce que vous avez décrit comme conséquences de la mobilité, c'est-à-dire conséquences sur le travail du conjoint, conséquences sur la scolarisation des enfants, conséquences sur l'accession à la propriété, aujourd'hui presque des fois l'accès aux soins. En fait, c'est quelque chose où les armées, le périmètre des armées ne suffit pas. Donc on voit bien que c'est une responsabilité de la nation tout entière. Donc je pense que c'est ça qu'il faut qu'on arrive à redégager. Et il y a une vraie nécessité de voir ça de manière très très large et assez rapidement. Et on s'y est attelé. Merci, mon général. La parole est à Valérie Bazin-Malgras. Merci, monsieur le président. Général, je vous remercie pour votre présence et vos propos liminaires. Ma question concerne les réservistes et la montée en charge prévue pour 2024. Dans la LPM, nous avons voté une augmentation des réservistes pour aller jusqu'à 105 000 en 2035. Et dès 2024, nous savons que nos armées vont devoir accueillir 3 800 personnels supplémentaires. Alors, j'ai déjà questionné hier le ministre concernant leur rémunération et leur statut. J'aimerais aujourd'hui savoir quels sont les principaux écueils à accueillir des réservistes dans nos unités. Est-ce que les personnels sont suffisamment formés et est-ce que du côté des personnels, ils voient cette montée en puissance d'un bon œil? Voilà, je vous remercie, général. Général. Merci, madame la députée, pour votre question. Les réservistes, c'est quelque chose qui est essentiel au fonctionnement des armées. Et l'ambition du ministre qui a été fixée d'avoir finalement un réserviste pour 2 militaires d'actifs, même si assez logiquement, en fait, l'échéance est assez lointaine. Parce qu'en fait, il n'y a pas de génération spontanée de réservistes. Hein. C'est quelque chose qui se recrute, qui se forme et qui s'intègre. Mais c'est quelque chose qui doit être bien pris en compte. Et en fait, le réserviste n'échappe pas à une vision RH et sociétale, entre guillemets, et là aussi, monde du travail. Alors, le réserviste est doublement volontaire. Il vient et en plus, il doit être disponible. Mais ça doit être quelque chose qui doit être pris dans le temps. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, pour atteindre ces objectifs ambitieux, je pense qu'il faut aussi être plus pragmatique sur l'emploi qu'on veut en faire. Et les possibilités d'emploi des réservistes sont assez larges, ce qui est le cas déjà aujourd'hui. Mais je pense qu'on doit mieux structurer ça et probablement ouvrir d'autres catégories comme une réserve d'expertise pour avoir des gens qui sont accessibles, qu'on puisse prendre. Il y a bien évidemment, j'aurais dû commencer par là, et c'est valable dans tous les domaines, une vraie nécessité de simplifier. Mais je pense que tout le monde est confronté à ça. Et aujourd'hui, qu'on utilise les outils à notre disposition sans faire d'impasse sur la sécurité et tout, mais il faut qu'on trouve un équilibre là-dedans. C'est bien d'essayer de protéger l'identité du réserviste, etc. Mais si c'est pour finalement tellement protéger qu'on n'en recrute pas ou qu'il faille 2 ans pour en recruter un, c'est que ce n'est pas satisfaisant. Donc il y a forcément des compromis, un équilibre à trouver. Et je pense qu'il y a des solutions aujourd'hui qui existent pour avancer plus rapidement là-dessus. Les réservistes, comme je vous l'ai dit, je pense que plus pragmatique sur quels sont les attendus dans la durée et quels sont les attendus et les points de passage en termes de formation et probablement en termes de capacité. Ce n'est pas du tout une critique, mais on est plutôt aujourd'hui toujours se dire un réserviste, on le prend et on le sélectionne et on regarde qu'il soit capable de servir pendant 30 ans dans la réserve. En fait, probablement que tous les réservistes ne serviront pas pendant 30 ans dans la réserve. Donc, il ne faut pas tous les former comme s'ils allaient servir 30 ans et qu'ils pouvaient tous être envoyés sur un théâtre d'opération. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas contribuer aux opérations, mais spécifiquement, quelqu'un qui travaille dans le cyber, il sera engagé opérationnellement parlant, en tout cas avec des effets opérationnels, et pour autant, il le fera probablement à partir du territoire national. Donc, peut-être qu'on doit réussir à trouver des choses. Mais là aussi, je pense qu'on revient un peu, c'est derrière, fondamentalement, qu'est-ce qu'on a derrière. Et donc, il faut qu'on réussisse à identifier quels sont les points forts sur lesquels
on ne doit pas céder, entre guillemets, on doit être extrêmement ferme en termes de niveau à atteindre, et les points sur lesquels, finalement, il y a des choses sur lesquelles on peut être un peu plus souple et ajuster en fonction vraiment de l'attendu derrière. Donc c'est ça, les axes sur lesquels il faut travailler. Merci, mon général. Ça, pardon, monsieur le Président, si je peux encore juste compléter. Après, on a, mais c'est un peu la même problématique. Je vais prendre un petit peu de temps de développement. Je vais dépasser les 2 minutes, c'est ça que je veux dire. Pour les réservistes comme pour les gens d'active, en fait, on a aujourd'hui un vrai problème de visibilité. Et quand vous parlez le problème de recrutement, il y a le sujet de la fidélisation qui est important, mais il y a aussi le problème du recrutement. Et le problème du recrutement, je pense qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ne viennent pas dans l'armée, en fait, parce qu'ils ne savent pas qu'on peut venir dans l'armée. Je suis juste provocateur, mais en fait, ce n'est pas si faux que ça. Et je pense qu'aujourd'hui, les militaires, on a toujours la sensation d'être extrêmement visible. Mais en fait, les militaires sont minuscules. 300 000 hommes sur un pays, avec le mode de fonctionnement qui est aujourd'hui de la société, en fait, les militaires sont extrêmement peu visibles. Et je ne sais pas si c'est 50% ou 75% des Français, mais qui peuvent passer la totalité de leur vie sans avoir finalement jamais été au contact d'un militaire. Oui, mais c'est la réalité. Voilà, et donc, c'est quelque chose sur lequel il faut agir. Et c'est vrai aussi pour les réservistes. Voilà, et donc, on a un vrai sujet d'augmenter notre surface de contact avec un certain nombre d'études qui ont été... Enfin, d'études, parce que il faut essayer de voir quel est le meilleur moyen. Bien évidemment, je pense que c'est quelque chose qui passe par un travail encore plus étroit avec l'éducation nationale, avec qui nous sommes déjà en contact et avec des choses qui avancent. Mais vous êtes, vous aussi, bien évidemment, des relais importants. Les représentants, enfin la représentation nationale, mais encore plus à la commission de la défense, et que ça doit aussi être quelque chose qui doit être pris en compte dans l'ensemble de nos activités. Et par exemple, les grands exercices qui ne sont pas les seuls rendez-vous de préparation opérationnelle, mais qui sont néanmoins des vrais rendez-vous, quand ils se déroulent en terrain libre, montrent bien en fait tout ce qu'il y a à exploiter dans ce domaine-là. Et l'exercice Orion l'a montré, avec finalement une augmentation conséquente de la mise en contact de la population avec ses militaires. Et je peux vous dire que pour les militaires, c'était quelque chose aussi qui était extrêmement apprécié, extrêmement valorisant. Voilà, il n'y a pas besoin de faire que les grands exercices Orion, mais on travaille pour que même dans les exercices de moindre niveau, finalement, on consacre une partie de contact avec la population. Et ça passe par les élus, ça passe par l'éducation nationale, et on travaille dans ce sens-là. Mais je pense que le vrai sujet, là, c'est notre surface de contact, et il faut qu'on augmente notre surface de contact. Merci, mon général, pour cette belle introduction. Désolé. Sur notre cycle à venir sur la défense globale. La parole est à Caroline Colombier. Merci, monsieur le président. Général, je vais évoquer une question qui a déjà été d'une certaine façon posée par ma collègue Anne Gentet et qu'on peut peut-être compléter. Avant-hier, la Cour des comptes a rendu donc un rapport sur le service de santé des armées. La Cour exprime des préoccupations quant à la capacité du SSA à accomplir ses missions en raison de réformes récentes et notamment la mutualisation des écoles et la réduction excessive des effectifs. Ces changements ont entraîné une surcharge de travail pour le personnel médical, avec des taux de projection élevés. Et malgré des mesures prises pour soulager le SSA, la Cour des comptes doute de sa gestion des ressources humaines, on revient toujours aux ressources humaines, et de son attractivité, soulignant également des réorganisations fréquentes et des problèmes d'encadrement. Aussi, ce rapport de la Cour vous inquiète-t-il? Et comment envisagez-vous de remettre à flot le SSA, et notamment dans le cadre élargi d'un conflit de haute intensité? Je vous remercie. Général. Le SSA, évidemment, j'ai déjà répondu sur l'exigence d'un SSA parfaitement opérationnel et donc la nécessité d'y consacrer des moyens. Je pense qu'il y a un vrai sujet aussi de militarité du SSA, c'est-à-dire un SSA qui soit pleinement conscient qu'il est le service de santé des armées, parce que c'est ce genre de personnel dont on a besoin. Et à mon avis, c'est sous cet angle-là que c'est quelque chose qui est acceptable en termes de contraintes et de charges. J'ai pleinement confiance dans le directeur central du SSA qui a été nommé cet été, comme j'avais confiance dans le précédent, pour mener cette réforme-là. Le sujet RH est quelque chose qui est essentiel et donc qui ne se résout pas, en tout cas qui n'est pas un changement instantané. Pour autant, l'implication des chefs est quelque chose qui fonctionne et le médecin général, inspecteur Jacques Margerie, est complètement impliqué dans sa tâche, très présent sur le terrain et je suis sûr que ça va produire des effets.
Après, il y a des experts dans ce domaine-là. Les défis du service de santé sont extrêmement importants, mais je sais qu'ils sont capables de le relever. Merci, mon général. La parole est à Delphine Lingemann. Merci, monsieur le président. Général, agir vite et bien, la devise du 28e régiment de transmission d'histoire illustre bien la transformation de nos armées à l'heure de la loi de programmation militaire 2024-2030. Une transformation qui passe par la montée du cyber et des moyens affectés, et les budgets seront répartis selon des critères d'effort entre les domaines du cyber. Dans la perspective d'un budget cyber de 300 millions d'euros en 2014, je voudrais vous interroger sur la place accordée aux transmissions dans ce PLF. Quelle sera l'articulation du budget qui leur sera alloué au regard afin d'assurer une cohérence de la chaîne d'information entre numérique et cyber? Enfin, sur le volet du coût de l'information en cyber, est-il prévu d'alimenter le budget des armées qui sont les gestionnaires, recruteurs et les formateurs pour accompagner la montée en puissance de cette ressource pour tous les employeurs du ministère? Je vous remercie. Mon général. Madame la députée, les transmissions, en fait, qui est un terme un peu suranné, ça s'appelle encore régiment de transmission, mais en fait, aujourd'hui, ça représente bien évidemment une réalité beaucoup plus large. Et la différence entre le numérique, les transmissions, le cyber, est quelque chose qui tend à se réduire. D'où certaines, d'ailleurs, la nécessité d'avoir une vraie vigilance sur ces cursus et ne pas enfermer les gens sur des carrières trop fermées, trop étroites. C'est quelque chose qui est bien pris en compte. Je pense que c'est... Il y a aujourd'hui une vraie compréhension de la nécessité. En fait, une opération, c'est d'abord en fait, la connectivité qu'on va réussir à y mettre. Et la connectivité, ça recouvre tous les domaines qu'on vient d'aborder. Donc oui, la partie transmission, mais plus exactement SIC, cyber, est quelque chose qui est bien pris en compte, en particulier sur un certain nombre d'objets phares, c'est Syracuse, qui est à la fois de l'espace, mais aussi du SIC, la partie contact, les postes contact qui sont pièces essentielles de Scorpion. Mais il y a également, ça c'est vraiment des matériels, mais il y a aussi les doctrines, et donc derrière comment on compte employer ces matériels-là, et donc comment les armées se transforment, avec le concept RM2SE, dont j'ai déjà parlé ici, mais également la partie commandement interarmé qui doit vraiment évoluer, parce que c'est lié à RM2SE, pour être beaucoup plus plastique, mais ça nécessitera une grande agilité, en particulier pour la partie SIC, pour être capable de relier les gens de manière un peu différente et très évolutive au cours d'une même opération. Merci, mon général. La parole est à José González. Merci, monsieur le président. Mon général, les drones, nous le savons, ont changé notre vision de l'information et de la guerre et prennent maintenant une place prépondérante au sein de notre modèle des armées. Lors de l'examen de la LPM, le général Stéphane Mille avait évoqué la possibilité de déploiement du futur drone Euromale afin de protéger nos territoires et collectivités d'outre-mer. Alors que l'opération Barkhane est terminée et que les forces françaises se désengagent du Niger, les drones Reaper français vont connaître une baisse d'activité significative. Envisagez-vous une réorientation de ces engins vers nos territoires d'outre-mer, engins qui pourraient, dès lors, avoir un avantage non négligeable sur la surveillance maritime en Indo-Pacifique et sur la protection de nos zones économiques? Pouvez-vous nous en apprendre davantage sur la présence potentiellement accrue au Levant et quelle influence future sur l'opération Chamal qui lutte encore aujourd'hui activement contre l'État islamique appuyé par moins de 600 militaires que je veux saluer par ailleurs ici, saluer respectueusement. Et le PLF 2024 permet-il cet effort substantiel consacré à la surveillance et au renseignement sur notre environnement prévu par la LPM quant à l'évolution et l'emploi des drones? Je vous remercie, mon général. Mon général. 1 minute 22, j'étais passé. Merci, monsieur le député. Concernant votre question, d'abord un premier point sur drones. En fait, vous avez focalisé sur un type de drone. En fait, aujourd'hui, les drones, c'est dans tous les milieux, terrestres, maritimes, aériens. Ça, c'est la première chose. Et la troisième chose, en fait, ça recouvre des réalités différentes avec des appareils qui pèsent plusieurs tonnes et d'autres qui pèsent une vingtaine de grammes ou moins. Donc,
Donc ça, je pense que c'est nous aussi quelque chose qui est extrêmement important à prendre en compte en termes de développement et d'intégration dans nos systèmes et sur la manière dont on envisage de les employer au combat demain. Ensuite, les drones vont connaître une moindre activité. En fait, personne ne va s'ennuyer dans les années qui viennent, je vous assure. Même pas les drones qu'on a retirés ou qu'on va retirer du Sahel. En ce qui concerne leurs zones de déploiement, je ne rentrerai pas dans les détails, ce n'est pas vraiment le sujet. Bien évidemment, la surveillance de nos espaces, l'engagement en opération extérieure, mais la surveillance de nos espaces, et vous avez compris que dans les exigences, il y a une exigence de sécurité à 360 degrés, et cette exigence à 360 degrés, elle est physique dans les trois milieux terre-air-mer, mais elle est aussi dans les multimilieux, multichamps, le cyber, l'espace. Donc bien évidemment, les drones, avec leurs caractéristiques, jouent un rôle essentiel. Drones qui jouent un rôle essentiel, mais ce n'est pas seulement le système, c'est aussi ce qu'on y met. Et vous connaissez le sujet. On a la différence entre ce qu'on appelle des capteurs champ large, c'est-à-dire qui sont capables de surveiller facilement des zones importantes, sans être extrêmement précis, et plus exactement après des moyens de surveillance, ce qu'on appelle champ étroit, qui eux peuvent donner. Donc il faut c'est là-dessus qu'on doit travailler aussi pour avoir une bonne combinaison de ces différents types de capteurs pour pouvoir en particulier outre-mer surveiller nos grands espaces. Merci mon général, la parole est à Yannick Favennec-Becco. Merci monsieur le président, mon général, par la reconnaissance que la nation porte à ses militaires ainsi qu'à leurs proches en leur offrant des conditions de vie et de travail satisfaisantes, ce budget renforce le lien qui unit notre nation et ses armées, et évidemment nous nous en félicitons. Je souhaite quand même sur ce sujet plus particulièrement axer mon propos sur la condition des officiers sur qui pèsent le plus lourdement certaines suggestions de l'état militaire, en particulier la disponibilité et son corollaire la mobilité. À cet égard, si les derniers travaux du Haut Comité d'évaluation de la condition militaire rendus publics en juillet dernier font apparaître que les forces armées disposent aujourd'hui d'officiers compétents, très impliqués et attachés à l'institution militaire, ils mettent aussi en évidence des difficultés, des interrogations en matière de recrutement, de capacité à fidéliser au travers du déroulement de la carrière de l'officier, des conditions de service et des conditions de vie pour lui et aussi pour sa famille. Alors, mon général, pouvez-vous m'indiquer de quelle manière ce budget intègre cette attente des officiers d'une meilleure reconnaissance et plus largement, quelles sont vos pistes de réflexion pour permettre aux forces armées de disposer demain des officiers dont elles auront besoin. Je vous remercie. Général. Alors, en termes de moyens identifiés au profit de la condition du personnel, tout d'abord, vous avez une augmentation de la grille indiciaire spécifiquement pour les officiers qui sera atteinte en 2025. Ensuite, je pense qu'on a un vrai sujet, ce que pointe du doigt le rapport du HCECM, c'est-à-dire de vie quotidienne, c'est-à-dire les. Et c'est un peu ce dont je vous parlais, l'effort qu'on a voulu mettre au niveau du soutien, c'est-à-dire la vie courante, comment la vie courante se déroule. Les gens ne se plaignent pas d'aller sur le terrain, d'avoir froid, d'être projetés et compagnie. En fait, ils ne se plaignent pas non plus ou pas toujours, mais en fait, je pense qu'ils subissent un peu une forme d'usure au quotidien dans la difficulté du fonctionnement, c'est-à-dire des procédures qui sont trop complexes, des normes qui s'appliquent de manière peut-être pas totalement pertinente. Ça provoque une vraie forme d'usure. Et je pense que c'est à ça sur lequel on peut agir finalement assez facilement. En tout cas, je souhaite qu'on agisse. Et ensuite, il y a la partie NPRM qui concerne l'ensemble des catégories, mais les officiers aussi, avec le troisième volet qui est mis en œuvre cette année, en tout cas qui est prévu dans la LPM. Il y a aussi le plan famille, parce que le plan famille, ça concerne aussi les familles d'officiers de manière générique. Mais dans ce domaine-là, on ne cible pas particulièrement une catégorie qui n'aurait pas grand sens. Après, vous avez raison de dire qu'en termes de mobilité, qu'on a bien identifié comme étant quelque chose qui aujourd'hui impacte, en tout cas a des conséquences importantes, les officiers, de manière un peu générique, mais pour des raisons de cursus, en fait, sont ceux qui sont le plus impactés pour la mobilité. Comme je vous l'ai dit, en fait, la mobilité, c'est déjà ce qui permet de libérer une place pour progresser. Et donc, effectivement, les gens qui occupent des postes de commandement comme capitaine, comme chef de BOI, comme commandant de base, commandant de bâtiment, ont des durées d'affectation qui sont plus courtes, alors qu'en fait, on cherche plutôt la stabilité pour les militaires du rang. On cherche également une meilleure stabilité pour les sous-officiers, en fait, assez logiquement.
Donc vous avez raison de dire que c'est de fait les officiers, et donc les familles des officiers, qui sont plus directement impactés par le sujet mobilité, et donc contraints de sujétion militaire. Merci, mon général. Et enfin, pour clore cette partie publique, la parole est à Yannick Chenevard. Merci, monsieur le président, mon général. On a, à l'occasion de cette audition, vraiment mis l'accent sur les personnels de nos armées. Plusieurs questions sur les personnels. On a tous conscience que nos armées ne valent que par celles et ceux qui les servent. Merci. Naturellement, pour votre serviteur, c'est aussi la satisfaction de voir que l'amendement que j'ai porté et fait voter dans le cadre de la LPM, cet amendement sur les modifications des grilles indiciaires, va commencer à porter ses fruits. Vous avez évoqué longuement la partie conditions militaires. Moi, je voudrais évidemment savoir si on commence à percevoir dans nos militaires, chez nos militaires, des effets sur la mise en place de la NPRM qui maintenant commence à être dans une étape de bonne vitesse. Et puis pour finir, on a un objectif de 283 000 recrutements sur 2024. Ça veut dire qu'on va en avoir pas mal, de 28 300, évidemment, parce que sinon on doublerait nos armées. Et alors là... Donc de 28 300, ça veut dire qu'il y a évidemment un nombre important de sorties. Et puis, on devrait se retrouver en situation positive à plus 456 en 2024. Mais vous l'avez rappelé, mon général, on a un contexte économique avec un taux de chômage à 7%, qui est forcément un facteur qui ralentit le recrutement dans nos armées. Donc, merci de répondre à ma question sur les effets qui commencent à porter sur la NPRM. Et puis... avec un trait d'humour. J'ai beaucoup apprécié le rappel que vous avez fait sur l'importance de l'escalier social dans nos armées. 50% des hommes du rang deviennent sous-officiers, 50% des sous-officiers deviennent officiers. C'est un excellent démonstrateur. Et vous avez également rappelé, mon général, que le rôle du chef, c'est de préparer son second, son adjoint, à lui succéder. C'est une excellente... C'est un excellent modèle de fonctionnement. Je vous remercie. Moi, général, je pars sous votre contrôle, mais je crois plutôt que c'est 50% des sous-officiers sont issus du rang et 50% des officiers sont issus de sous-officiers, si mes souvenirs sont bons. 50% des sous-officiers des hommes du rang qui deviennent... Également dans l'autre sens. Ouais. D'accord, moi j'avais noté dans l'autre sens, mais donc c'est symétrique également. 50% des... Ouais, 50% des militaires du rang deviennent sous-officiers. D'accord, très bien. Je crois que c'était l'inverse aussi. Mais... Non, non. Merci, monsieur le député. Sur ce sujet que vous venez d'aborder, en fait, ça montre bien aussi que ça contrebat un peu les gens qui voudraient un peu introduire une forme de lutte des classes en disant attention, la grille indiciaire, si on la met chez les officiers, c'est quelque chose qui va être mal perçu et tout. Je pense que c'est global. Et d'ailleurs, vous l'avez rappelé, en fait. Il n'y a pas une volonté de défavoriser qui que ce soit. Revaloriser la grille des sous-officiers, ça bénéficie instantanément, en fait, en tout cas, logiquement, pas instantanément, mais à terme, à tous les militaires du rang. Et il y en a beaucoup qui vont devenir sous-officiers. Et idem pour les sous-officiers vers les officiers. Donc notre système n'est pas du tout construit comme ça. Et à l'intérieur, personne ne le ressent comme ça. Donc je pense qu'il ne faut pas introduire ces notions-là. Et quand on parle de revalorisation de grille indiciaire, c'est seulement... pour que ça soit quelque chose qui soit cohérent avec l'organisation qui est construite et qui est et dont l'efficacité est construite sur le modèle escalier social. Alors, et que quelqu'un l'a dit, en fait, un caporal-chef, si finalement devenir sous-officier, c'est pas gagner plus, voire moins, en tout cas au bout du compte, avec les nouvelles charges qui vont s'appliquer, et qu'en plus on va lui dire, comme tu es sous-officier, tu vas devoir bouger. En fait, on n'est pas très cohérent en disant on doit favoriser l'escalier social. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui est important. En ce qui concerne la NPRM, qui effectivement se met en œuvre de manière assez large, jusqu'alors, en fait, c'est quelque chose qui a été bien préparé et où il y avait des modélisations qui étaient indispensables pour essayer de voir effectivement comment ça allait toucher. Alors une modélisation, c'est quelque chose qui est bien, mais qui a ses limites, forcément. Et donc aujourd'hui, déjà, en fait, maintenant, il y a un calculateur qui a été mis en place, c'est-à-dire que les gens, en fait, peuvent... vraiment rentrer leur cas personnel
Et donc, on a vraiment une évaluation individuelle, leur cas personnel, en disant, OK, la NPRM, pour moi, ça va se traduire comment ? Et donc, bien évidemment, on affine un peu la modélisation qui a été faite. Et c'est pour ça que dans la NPRM, il a été prévu, en 25 ou en 26, me semble-t-il, qu'il y ait une revoyure, justement, pour permettre de prendre en compte, d'analyser. Et des choses qu'on pouvait percevoir, mais néanmoins, c'est quand même la réalité après qui permet vraiment de le poser sur la table, c'est que, bien évidemment, il y a à la fois des catégories très spécifiques à l'intérieur, mais également des situations géographiques qu'il faudra réussir à mieux prendre en compte et aménager. Parce qu'en fait, la LPRM n'est pas faite pour que les gens... je rappelle que déjà, la NPRM, ce n'est pas une revalorisation. Je pense que ça, c'est important de bien comprendre. Alors évidemment, quand on met, je crois que c'est 480 millions qui étaient posés sur la NPRM, en fait, forcément, les gens se disent, forcément, c'est pour gagner plus. Évidemment. Évidemment, il y aura ces 480 millions, ils vont être mis sur la table et donc distribués. Mais le vrai sujet, le cœur de la NPRM, était bien une nouvelle politique, c'est-à-dire, en fait, une simplification aussi, pour que dans la manière dont tout ceci était construit, simplifier la gestion et la lisibilité de l'affaire. Voilà. Donc maintenant, une fois que cette couche-là de simplification, de modification a été mise en, il faut effectivement mesurer le plus finement possible les effets. Et en fait, le plus finement possible les effets, ça dépend des conditions individuelles des uns et des autres. Mais ça dépend aussi, on s'en aperçoit là aussi sans surprise, que les localisations, c'est-à-dire la géographie, impactent et que, bien évidemment, en fait, les gens qui sont affectés en région parisienne ne rencontrent pas les mêmes difficultés que les gens qui sont affectés à Angers ou à Brest ou à Cherbourg. Voilà. Donc, c'est ce qui est modélisation qui avait permis de shaper un peu tout ça, de tailler tout ceci pour que ça fonctionne. Maintenant, on a vraiment un calculateur où les gens rentrent leur situation individuelle et personnelle. Et donc, ce qui permet effectivement d'aller vers une phase de revoyure en 2026 qui permettra d'affiner ça, voir comment on peut le prendre en compte le mieux possible. En ce qui concerne votre remarque sur les recrutements, sur la fidélisation, sur finalement les gens, le taux de perte qu'on peut noter sur les effectifs, on a travaillé pour faire en sorte qu'il n'y ait pas étanchéité entre les crédits qui sont destinés au recrutement et les crédits qui sont destinés à la fidélisation. Parce qu'en fait, c'est deux leviers pour agir sur la même chose. Et donc, c'est complètement, c'est pas tellement logique de ne pas pouvoir complètement utiliser l'argent d'un côté alors qu'elle pourrait servir de l'autre. Et que, assez logiquement, en fait, si c'est plus difficile de recruter, en fait, logiquement, il faut probablement faire un effort sur la fidélisation et mettre. Ben, c'est en fait, n'importe quel DRH dans une entreprise civile fait probablement comme ça. Voilà. Donc, c'est ce qu'on a obtenu qui va nous permettre d'utiliser au mieux les crédits et de nous adapter au mieux du monde du travail, qui, je le répète, est unique. Il n'y a pas un monde du travail militaire, un monde du travail civil. Merci, mon général. Je remercie chacun pour l'esprit de synthèse qui a caractérisé cette partie en public, qui nous permet d'aborder la partie en huis clos à quasi parité de temps, alors 50 minutes, un peu moins que sur la partie publique. Je demande donc la suspension du flux vidéo.
Hubert. Mettez-vous là. On déménage. Et du coup, vous pouvez remercier même Blaise Malgrasse, voilà, qui accepte. Vous allez déménager immédiatement. Ah, je vais vous donner. Alors, Stéphane. Tu mets la même chose dans le temps, dans le truc, etc. Très bien, mais écoutez, je vous propose de commencer, Monsieur le Secrétaire Général, Mesdames et Messieurs, les membres du Conseil supérieur de la fonction militaire. Je vous souhaite la bienvenue à la Commission de la Défense et m'excuse pour le petit délai de retard. Nous étions, comme vous l'aviez vu, avec le chef d'état-major des armées. Et nous avons d'ailleurs beaucoup parlé de sujets de conditions militaires, de ressources humaines. Et bien entendu, nous sommes contents maintenant de pouvoir creuser ce sujet avec vous. J'ai le plaisir à retrouver à la fois des visages connus, mais également des nouveaux arrivants. Mes chers collègues, je vous rappellerai pour mémoire que le CSFM est présidé par le ministère des Armées et permet aux militaires d'exprimer aux ministres leur avis sur les questions à caractère général relatives à la condition militaire. Il est obligatoirement consulté sur les projets de texte à portée statutaire, indiciaire ou indemnitaire. Bref, pour en résumer l'esprit, le CSFM a pour mission principale de fluidifier le dialogue entre le ministre des Armées et son administration, d'une part, et les militaires, d'autre part. Mais vous nous expliquerez peut-être cela très brièvement, monsieur le comptoir général. Je pense que c'est toujours utile de faire de la pédagogie. Je pense qu'il faut plusieurs années, c'est de l'art de la répétition, sur comment ça marche la concertation dans les armées, qu'est-ce que le CSFM, qu'est-ce que le HCECM, etc. Moi, en tout cas, je vous avoue qu'il m'a fallu plusieurs années pour comprendre. Donc, je pense à mes nouveaux collègues qui arrivent. Il leur faudra sans doute également plusieurs années pour,
pour comprendre. Mesdames et messieurs, j'imagine que vous ne manquerez pas d'éclaircir la représentation nationale sur les grands enjeux du projet de loi de finances 2024 pour la mission défense et leurs impacts sur la condition militaire. Beaucoup attendent notamment vos éclairages sur la dernière phase du déploiement de la NPRM, la nouvelle politique de rémunération des militaires, et sur le grand chantier de revalorisation des grilles indiciaires, dont une première tranche concernant les militaires durant les sous-officiers devrait être mise en œuvre d'ici, je crois, la fin de l'année. Nul doute que la question des officiers intéressera également notre commission, et notamment en écho à l'apparition du dernier rapport du HCECM, donc le Haut Comité d'évaluation de la condition militaire, donc qui éclaire le président de la République et le Parlement. Comme à l'accoutumée, pour des raisons de sécurité, cette audition est retransmise en direct. Les noms des personnes auditionnées ne seront pas communiqués. Elles seront appelées uniquement par leur grade et leur prénom. Je vais maintenant laisser le secrétaire général nous présenter les membres qui composent cette délégation, peut-être rappeler également l'organisation et le fonctionnement du Conseil. J'en profite d'ailleurs pour souhaiter une pleine réussite. On vous avait déjà souhaité, mais pour vous souhaiter globalement une pleine réussite dans l'exercice de vos nouvelles fonctions. Et après l'intervention du secrétaire général, nous écouterons le secrétaire de session pour un propos liminaire d'une quinzaine de minutes, après quoi nous procéderons à l'échange traditionnel des questions-réponses avec les députés. Monsieur le contrôleur général des armées, je vous cède la parole. Bien, monsieur le président, mesdames et messieurs les députés, comme secrétaire général du CSFM, je vous remercie effectivement de votre invitation à cette audition et de la possibilité qui est ainsi offerte aux représentants de la communauté militaire de s'exprimer devant vous dans le cadre du PLF 2024. Permettez-moi effectivement, comme vous l'avez souhaité, monsieur le président, de rappeler rapidement que le CSFM, c'est l'instance nationale de concertation et de consultation des militaires qui est présidée par le ministre des Armées. Et c'est bien le cadre institutionnel dans lequel les militaires, qui, je le rappelle, ne dispose pas du droit syndical, examine et rend des avis consultatifs, sauf sur des questions stratégiques, politiques ou d'organisation des forces et services, lesquelles relèvent du commandement. La concertation, c'est donc, et vous l'avez aussi indiqué, monsieur le président, un mode de dialogue spécifique aux militaires avec leurs ministres, les grands subordonnés, et jusqu'au niveau local avec leurs chefs, et qui permet d'aborder ainsi les sujets fondamentaux de la condition militaire, sachant que, par condition militaire, comme le Code de la Défense le précise, on entend l'ensemble des obligations et des suggestions propres à l'État militaire, d'une part, et bien sûr les garanties et compensations qui sont apportées par la nation à ces militaires. Ce dialogue est indispensable. Il est indispensable pour éclairer les hautes autorités dans leur prise de décision, pour favoriser l'adhésion du personnel à tous les échelons, pour entretenir son moral. Et par conséquent, et j'ai coutume à le dire, c'est un élément essentiel à l'efficacité opérationnelle des unités. Alors, quelles sont les caractéristiques actuelles du CSFM, qui est donc la tête de chaîne de la concertation militaire? Donc, sa fonction essentielle, et vous l'avez rappelé aussi, monsieur le président, c'est d'établir un dialogue constructif, un dialogue permanent et cohérent, dans un cadre de liberté de pensée et d'expression, ce qui a été voulu par les pères fondateurs du CSFM en 1969, et en complémentarité avec des instances locales de concertation et aussi avec les CFM, les conseils de la fonction militaire, des différentes forces armées et des services, qu'on appelle les formations rattachées. Et avec ces derniers, donc les CFM, ils étudient des questions qui sont propres à ces CFM, les conditions de vie, d'exercice du métier militaire, d'organisation du travail. Le CSFM, en ce qui le concerne, est obligatoirement consulté sur les projets de textes de loi et réglementaires qui portent sur trois choses importantes, les questions statutaires, les questions indiciaires et les questions indemnitaires. Et nul doute que sur ce point, vous avez lancé une perche en quelque sorte, monsieur le président. Je pense qu'il y aura une attention particulière du Conseil à ce que nous apportions ces réponses. Et ce qui est nouveau, et sous l'impulsion de l'actuel ministre des Armées, il faut bien le dire, donc, monsieur Lecornu, ce sont ses attentes pour lui transmettre des réflexions et des propositions, par exemple sur la militarité, le plan blessé, le plan famille. Et ce que le ministre a rappelé le 14 septembre dernier, lors d'une rencontre avec le Conseil, à son initiative, eh bien, s'agissant, par exemple, du recrutement et de la fidélisation. Ces attentes aussi du ministre de participer à des groupes de travail ministériels. Le CSFM a participé au groupe de travail, par exemple, sur la vie en emprise militaire, sur les réserves. Et enfin,
de travailler étroitement avec les directions de projet du ministère, voire d'intégrer leur gouvernance. Et c'est le cas pour le comité de projet et de suivi du projet de protection sociale complémentaire dont le CSFM est désormais membre de droit. Et cette dynamique de concertation s'accompagne, bien entendu, d'une plus grande responsabilité du Conseil dans l'exercice de ses missions. En termes de composition, le CSFM, pour mémoire, c'est 45 membres permanents qui sont issus des différentes forces armées, donc l'armée de terre, la marine nationale, l'armée de l'air et de l'espace, la gendarmerie nationale, la direction générale de l'armement, le service de santé des armées, le service de l'énergie opérationnelle, le service du commissariat des armées et le service de l'infrastructure de la défense. Ils appartiennent, ces 45 militaires, aux différents corps militaires, différents grades et catégories. Ils sont élus pour un mandat unique de 4 ans par et parmi les membres des conseils de la fonction militaire des forces armées et formations rattachées, donc des services. Et une particularité à noter toutefois dans cette composition, c'est que parmi eux siègent 3 retraités qui sont désignés par le Conseil permanent des retraités militaires. Vous avez devant vous, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, une délégation représentative de ces 45 membres et qui ont 3 qualités principales que j'ai plaisir à toujours rappeler. Ça les fait sourire. D'abord, ils sont volontaires et représentatifs de la communauté militaire, à la fois porteurs de la vision interarmée et interservice du Conseil et qui restent affectés dans leurs unités, donc au plus près du terrain et soucieux des préoccupations concrètes de leurs camarades. Deuxièmement, ils sont légitimes, ils sont élus par et parmi les conseils de la fonction militaire des forces armées et des services. Et troisièmement, ils sont compétents au regard de leur expérience, de leur expertise, de leur permanence également. Cette délégation se compose, mesdames et messieurs, des militaires suivants. Le brigadier-chef de première classe Sabrina, de l'armée de terre, qui est secrétaire du conseil pour le semestre. Le major Stéphane, de la gendarmerie nationale, qui est secrétaire adjoint du Conseil. Le commandant Benjamin, du service de l'énergie opérationnelle. Le lieutenant-colonel Fabrice, de l'armée de terre. L'adjudant-chef Laurent, de la gendarmerie nationale. L'adjudant Cécile, de l'armée de l'air et de l'espace. Et du quartier-maître de deuxième classe, Jean Vianney, qui représente la marine nationale. Voilà, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Et je pense que maintenant, c'est la secrétaire qui va pouvoir prendre la parole. Je vous en prie. Monsieur le Président de la Commission de la Défense nationale et des Forces armées, Mesdames et Messieurs les députés, en ma qualité de secrétaire du Conseil supérieur de la fonction militaire, je vous exprime la reconnaissance de la communauté militaire à laquelle j'associe leurs familles. Nous sommes honorés que vous ayez souhaité une nouvelle fois recevoir une délégation du CSFM afin de l'auditionner sur les enjeux actuels de la condition militaire. Cette audition a pour cadre l'exécution d'une loi de programmation militaire dont le budget est de 413 milliards d'euros. Ce montant historique montre, dans un contexte international troublé, l'effort que la nation est prête à consentir à sa défense. Une partie de ces crédits sera consacrée à la condition militaire. Pierre angulaire d'une armée d'emploi opérationnelle et résiliente, comme nous avons pu déjà le dire ici ces dernières semaines. Cet effort financier s'est déjà traduit par différents plans et groupes de travail préparatoires à l'élaboration de la LPM, auxquels le CSFM a été associé. D'ores et déjà, des avancées sont constatées. Certaines sont d'application immédiate, parmi lesquelles les dispositifs relatifs à la réparation intégrale des militaires blessés en service ou le versement intégral de la rémunération du mois entamé en cas de décès en service du militaire qui aidera les familles dans leur travail de deuil. D'autres seront effectives prochainement, moyennant l'adoption de décrets d'application comme par exemple la possibilité de maintenir en service les militaires sur demande agréée au-delà de la limite d'âge ou de la durée des services pour 3 ans au plus, ou encore la possibilité pour un ancien militaire de se réengager. Pour autant, le CSFM, au cours de ses travaux, mais aussi dans le cadre de ses visites au sein des unités, identifie certains points de vigilance qu'il souhaite porter à votre connaissance. Je vais donc m'attacher à passer en revue les chantiers d'ampleur qui impactent la condition militaire. Pour chacun,
je signalerai les points sur lesquels nous souhaitons appeler votre attention. Entrée en vigueur, la réforme des retraites préserve les fondamentaux du système des pensions militaires de retraite. Le maintien des bornes de pension à liquidation immédiate en est la meilleure illustration. Toutefois, certaines dispositions peuvent, à la marge, être défavorables à la condition militaire, comme celles touchant à la rémunération différée. Par ailleurs, le Conseil a participé à un groupe de travail ministériel sur les réserves. Le Conseil s'assurera que ce projet, dimensionnant pour le futur modèle d'armée, s'accompagne des moyens financiers, humains et matériels à la hauteur des ambitions qu'il porte. Le Conseil souhaite appeler votre attention sur la difficulté des forces à être soutenues par des services de soutien, eux-mêmes sous tension. L'effort de simplification doit être prioritairement porté dans ce domaine. À défaut, les soutenus comme les soutenants seraient dans l'incapacité de remplir leur mission. Nous avons été également associés aux travaux préparatoires à la mise en place d'une protection sociale complémentaire. Nous avons pu, dans ce cadre, faire valoir l'intérêt de la communauté militaire et de ses ayants droit. Aujourd'hui, 5 membres du Conseil, avec voix délibérative, sont intégrés au comité de pilotage de cette future PSC. Ils veilleront à ce qu'elle soit adaptée à la démographie et aux besoins spécifiques des militaires. Pour poursuivre dans le domaine de la santé, le plan blessé 2023-2027, auquel le Conseil a participé, est présenté comme innovant. Son ampleur montre la sensibilité des besoins dans ce domaine. Aussi, nous serons très attentifs à ce que l'accompagnement des blessés soit optimisé, coordonné et simplifié. Après avoir sacrifié leur santé au service de la nation, nous leur devons bien cela. De même, il faudra veiller à ce que, annuellement, les sommes qui seront allouées à ce plan soient fidèles aux crédits votés globalement dans le cadre de la LPM. Les 700 millions supplémentaires alloués à ce dernier doivent contribuer à alléger les conséquences des suggestions sur les familles des militaires, essentiellement l'absence et la mobilité. Le décret relatif aux réductions accordées aux militaires et leurs familles pour les transports ferroviaires, qui s'imposera à l'ensemble des opérateurs dès le 1er janvier prochain, y participe. Pour autant, la mobilité sera vécue plus sereinement à condition que le parc d'hébergement des militaires célibataires en enceinte soit amélioré en qualité et en quantité. En effet, un parc souvent vétuste et à la capacité insuffisante ne permet pas de faire face à l'enjeu que représente le recours croissant au célibat géographique. Surtout, c'est la politique de logement des militaires et de leurs familles qui contribuera à alléger les suggestions que je mentionnais et leur effet sur les membres du foyer. Ainsi, le plan Ambition Logement devra permettre rapidement aux militaires et à leurs familles d'être logés dans des délais gérables et dans des conditions dignes. En outre, cela devra se faire selon les procédures simplifiées, plus transparentes et de nature à optimiser davantage l'attribution des logements à hauteur des besoins exprimés effectivement. Enfin, la valorisation de la condition militaire ne peut pas faire l'économie d'une politique de rémunération à la hauteur des défis posés par le contexte économique actuel. La hausse du coût de la vie fait naître un sentiment de déclassement chez les militaires. D'autant que souvent, les conjoints ont pâti des suggestions inhérentes à leur état, dans leur carrière et dans leur rémunération. D'un point de vue indemnitaire, octobre 2023 verra la mise en œuvre du dernier palier de la NPRM, avec entre autres le paiement de l'indemnité de garnison. Sa fiscalisation, dans les effets, ne pourront être observées qu'en 2025, préoccupe la communauté militaire. Mais c'est surtout le volet indiciaire de la rémunération qui est à l'heure actuelle au centre des attentions. Les mesures déjà prises sont accueillies favorablement, ainsi que celles qui s'inscrivent dans le cadre de la LPM. Néanmoins, dans le contexte économique que je mentionnais, l'attente d'une revalorisation significative est forte, quel que soit le grade ou les catégories. Seule cette revalorisation pourra gommer
le déclassement que j'évoquais. Ainsi, le Conseil sera vigilant à ce que les grilles indiciaires actuellement tassées vers le bas soient à nouveau incitatives. L'escalier social, qui se trouve au cœur du modèle de gestion RH de nos armées, s'en trouverait conforté. Le Conseil veillera aussi à ce que le décalage créé par la réforme de la haute fonction publique entre la rémunération indiciaire des militaires et celle des autres agents publics soit réduit. Il s'agit d'un enjeu d'attractivité et de fidélisation des officiers. Toutes ces raisons conjuguées m'amènent à vous faire part du vœu de la communauté militaire de voir ces nouvelles grilles rendues effectives dès 2024, en année pleine, et pour l'ensemble des catégories de militaires. Tous les points évoqués dans ce propos introductif concourent directement à l'attractivité de nos métiers et à la fidélisation de nos soldats. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, nous sommes prêts à les développer dans nos échanges et à répondre à présent à vos questions. Merci beaucoup, Madame la Secrétaire de Session, pour ce propos très complet où nous avons bien noté à la fois les avancées, les attentes d'application et également les points de vigilance. Je pense que tout le monde en a pris bonne note. Nous allons prendre désormais les interventions des orateurs de groupe. Pour le groupe Renaissance, la parole est à Corinne Vignon. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Secrétaire Général, Mesdames et Messieurs. Je tiens à vous remercier pour vos propos introductifs extrêmement enrichissants pour l'ensemble des membres de cette commission. Le groupe Renaissance tient ici à souligner l'effort budgétaire du gouvernement pour la loi de programmation militaire où 413 milliards d'euros seront déployés sur 7 ans. 2024 constitue donc la première étape des engagements votés l'an dernier. Cette loi de finances consacre donc 47,2 milliards d'euros en 2024, soit une hausse de 3,3 milliards d'euros par rapport à la loi de finances 2023. Nous serons au rendez-vous de vos préoccupations concernant la fidélisation des militaires et la revalorisation indiciaire. 2024 verra la revalorisation des sous-officiers à hauteur de 800 euros bruts et qui sera suivie en 2025 par celle des officiers. Je sais que vous serez particulièrement attentifs à ce point. Nous retiendrons tout particulièrement dans ce budget la consolidation des mesures dédiées aux conditions de vie des militaires au travers du plan famille. Ce sont 70 millions pour l'année 2024 sur 750 votés lors de la LPM. L'objectif est ici d'accompagner le militaire et sa famille lors des mutations géographiques et d'atténuer les impacts des contraintes opérationnelles en améliorant leur quotidien et celui de leurs conjoints dans leur territoire. À ce titre, des efforts avérés sont engagés en direction de la petite enfance, sujet récurrent où l'attente est forte chez les familles. 2024 verra la création de 200 places de crèches supplémentaires, soit un tiers de l'objectif fixé à 600 berceaux d'ici 2027. Autre sujet de préoccupation des familles des militaires, le logement. Nous serons particulièrement vigilants à la réponse apportée aux besoins des militaires et de leurs familles lors de leur ordre de mutation, à la rénovation progressive du parc domanial et celui des logements des célibataires géographiques, à la simplification des procédures de demande de domicile, à la mise en place de conventions entre les armées, les collectivités locales et les bailleurs sociaux afin d'élargir l'offre, améliorer la visibilité de l'offre publique ou privée, développer les visites virtuelles pour l'ensemble du parc en Île-de-France au travers du service en ligne Atrium, répondre au plus tôt à la demande afin de faciliter la mobilité des familles sont les objectifs que nous poursuivons avec le MINARM dès 2024. Aussi, mesdames et messieurs, pouvez-vous nous donner votre avis sur l'accélération des mesures prises pour favoriser l'implantation des familles dans leur nouveau domicile et nous préciser les écueils auxquels ils sont confrontés? Je vous remercie. Merci. Alors, j'ai 6 questions de groupe et 3 questions complémentaires. Donc, soit on peut à chaque fois répondre aux orateurs de groupe dans la foulée, mais il faudrait qu'il n'y ait qu'une seule personne qui réponde, ou soit on peut les prendre de manière groupée pour que plusieurs personnes puissent s'exprimer. Vous préférez la deuxième option, Madame la Secrétaire? Effectivement, nous préférons la deuxième option. Très bien. Je vous remercie. Donc, pour le groupe Rassemblement National, la parole est à José González.
Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire général, Mesdames et Messieurs les militaires. C'est nous qui sommes honorés de votre présence. La condition militaire est depuis maintenant plus d'un an au cœur des travaux de cette commission de la Défense. C'est pourquoi votre présence en tant qu'instance nationale de concertation et de consultation des militaires, appelée à exprimer son avis à caractère général sur la condition militaire, va nous permettre aujourd'hui d'évoquer en profondeur l'un des sujets majeurs pour nos armées, ses ressources humaines. Vous qui avez intégré le risque de mourir pour la patrie comme hypothèse de travail et dont je veux une nouvelle fois saluer le courage et le dévouement. Nous l'avons dit, le Conseil est obligatoirement consulté sur les projets de textes de loi portant sur des questions statutaires, indiciaires et indemnitaires. Et à ce titre, le gouvernement nous a présenté un projet de loi de finances 2024 qui prévoit, entre autres, 28 300 recrutements, 184 millions d'euros de revalorisation salariale et 70 millions d'euros pour le plan famille. Conformément à la trajectoire prévue en loi de programmation militaire, le budget de la mission Défense augmentera de 3,3 milliards d'euros en 2024. Les dépenses de personnel progresseront pour leur part de 435 millions d'euros pour atteindre 13,7 milliards d'euros. Pour maintenir le modèle de nos armées, il nous faut aujourd'hui réussir à conjuguer recrutement et fidélisation. Toujours selon le projet de loi des finances 2024, les grilles indiciaires sont révisées. Fin 2023 pour les militaires de rang, fin 2024 pour les sous-officiers et militaires assimilés et fin 2025 pour les officiers. Comment expliquer ce choix de hiérarchisation de la revalorisation selon le grade ? Les nouvelles sommes allouées par la PLF 2024 seront-elles à la hauteur des attentes de nos soldats et quelles sont vos préconisations quant à l'amélioration de leur fidélisation? Je vous remercie. Merci pour le groupe La France Insoumise. La parole est à Martine Etienne. Oui, merci Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire Général, Mesdames et Messieurs. Merci de votre présence. Ma première question portera sur le recrutement et la fidélisation. Dans le projet de loi de finances, il est mentionné que le schéma d'emploi pour 2024 comportera 456 équivalents temps plein supplémentaires. C'est un progrès, mais on constate en réalité un écart de près de 35% par rapport aux prévisions de la loi de programmation militaire votée il y a quelques mois. Le gouvernement justifie cet écart, je cite, « par souci de réalisme au regard des difficultés de recrutement et de fidélisation ». Pour régler ces difficultés, le gouvernement table d'ailleurs sur 474 millions d'euros de mesures catégorielles consacrées au renforcement de la fidélisation, de l'expertise et de l'adaptabilité de l'ensemble des agents. Ces termes nous semblent flous et nous aurions aimé que vous nous fassiez part, si possible, d'éventuelles précisions. En effet, lors de votre séminaire de rentrée, vous avez échangé avec le ministre sur la fidélisation et l'attractivité de la fonction. Vous en a-t-il dit plus sur le sujet et sur le détail des 474 millions? Et que pouvez-vous nous en dire? Des augmentations de salaire sont-elles prévues? Par ailleurs, pendant les débats sur la LPM, M. le ministre Lecornu a parlé d'un travail sur les grilles indiciaires qu'il vous confiera, ainsi qu'à l'état-major. En effet, nous avons porté la question de leur revalorisation tout au long de l'étude de la LPM. À l'heure où l'inflation est si importante, il faut engager une mesure de la part indiciaire de la rémunération des militaires et des civils de la Défense. Il s'agit d'un élément essentiel pour fidéliser. Pouvez-vous nous dire quel est l'état actuel de ce travail? Avez-vous récemment été consulté sur le sujet? Est-ce que des pistes de mise en œuvre sont prévues pour le PLF 2024? Merci. Pour le groupe Les Républicains, la parole est à Jean-Louis Thiriot. Merci, Monsieur le Président. Merci à vous tous d'être ici par le choix que vous avez collectivement fait de porter les armes de la France. Vous avez des droits sur nous et c'est à nous tous de porter au mieux les contreparties, on va dire, des suggestions de l'État militaire et de la militarité à laquelle nous sommes très attachés. Je crois que c'était lors de votre passage ici l'année dernière, j'avais déjà évoqué la nécessaire coopération entre
évidemment le ministère des Armées, l'État d'une part, mais aussi les collectivités locales. Puisque vous êtes sur les territoires, vous êtes présent sur la totalité des territoires, et notamment en ce qui concerne les crèches, en ce qui concerne le logement, il y a un travail qui peut et doit être fait avec les collectivités locales. Je sais que dans mon département, la Seine-et-Marne, nous avons passé une convention spécifique avec l'EOGN pour pouvoir accueillir dans notre parc social, dans de bonnes conditions, les élèves de l'école qui ne peuvent pas être logés sur place. Je pense que ce que nous avons fait mériterait d'être élargi à l'ensemble des territoires où il y a des implantations militaires. Donc je souhaiterais savoir si vous avez noté des bougies sur ce sujet-là depuis l'an dernier, et si oui, quelles améliorations législatives, par exemple, pourriez-vous souhaiter pour que les liens entre les différentes unités dans lesquelles vous servez et les collectivités locales soient facilités, parce que nous devons tous concourir à cet esprit de défense. C'est aussi ça, la défense globale, à laquelle est très attaché notre président, je le sais, mais nous y sommes tous très attachés. Merci. Alors, j'ai 8 questions. On a fait les 4 premières. Est-ce que vous souhaitez un premier temps de réponse pour où on prend les 8 vraiment d'un coup ? Madame la secrétaire. Je vous demande un instant. On continue à prendre les questions. Très bien. Merci. Bien reçu. Pour le groupe démocrate, la parole est à Delphine Lingemann. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais tout d'abord, Monsieur le Contrôleur Général, vous remercier de votre introduction et de la prise de parole effectivement partagée avec vos équipes qui sont au plus proche du terrain. La loi de programmation militaire prévoit une augmentation importante des effectifs du ministère des Armées avec une cible de 275 000 à l'horizon 2030. Pour arriver à massifier nos armées à fidéliser nos militaires, il est important que nous travaillions sur les conditions de vie de ces derniers et de leurs familles, ce à quoi répondent les plans familles 1 et 2 contenus dans les deux lois de programmation militaire. Aujourd'hui, au moment des mutations notamment, une des premières préoccupations des militaires concerne légitimement l'hébergement et le logement. Face à la montée en charge des effectifs de nos armées, le logement pourrait devenir un sujet majeur dans le déploiement de la feuille de route de la LPM 24-30, d'autant plus que notre pays traverse une crise du logement et cette préoccupation pourrait s'accentuer. En 2021, déjà, 30% des demandes formulées par les familles de militaires à Paris, une zone particulièrement tendue, n'étaient pas satisfaites par le bureau de logement de la région Île-de-France. De nombreuses mesures existent et ont été mises en place. Sur le volet de l'hébergement, en 2024, le plan prévoit la livraison de plus de 5000 places et la commande de plus de 2500 places pour 140 millions d'euros. Pour faire face à cette crise du logement inédite et pour aussi accompagner la massification de nos armées, quelles seraient selon vous les pistes d'action supplémentaires sur la question du logement et de l'hébergement des militaires et des familles de militaires à mettre en œuvre ? Comment pourrait-elle s'intégrer dans le PLF prochainement examiné ? Et enfin, avez-vous à votre niveau examiné ou évalué le plan logement mis en œuvre et le plan famille ? Merci. Merci. La parole pour le groupe socialiste est à Anna Pic. Merci, Monsieur le Président. Merci pour votre présence et les éléments que vous nous donnez chaque année désormais. Le 13 juillet dernier, le Haut Comité d'évaluation de la condition militaire remettait son 17e rapport thématique au président de la République. Consacré spécifiquement à la condition militaire des officiers, les conclusions de ce rapport ont mis en lumière un constat rencontré de manière récurrente par nos forces armées, une fragilité certaine et des interrogations s'agissant du recrutement et de la fidélisation de nos troupes. Qualifié de défi permanent, malgré la multiplicité des modes de recrutement et de statut pour répondre aux besoins, le Haut Comité met en exergue 3 causes principales aux problèmes de recrutement, et nous en parlons régulièrement. La mauvaise connaissance de la fonction d'officier chez les jeunes, une baisse d'attractivité du recrutement interne, la forte concurrence des entreprises pour le recrutement des métiers en tension, sur le cyber notamment. Concernant la fidélisation, le rapport du Haut Comité évoque la nécessité d'ajuster le développement des carrières aux attentes des officiers, d'améliorer leurs conditions de service, d'apporter de justes compensations aux suggestions imposées et d'éviter tout décrochage de rémunération
choses sur lesquelles vous êtes revenu. Ainsi, parmi les 14 recommandations, l'une d'entre elles recommande de poursuivre l'adaptation de la politique de rémunération des militaires en la faisant porter sur sa partie indiciaire. En proposant de rebâtir les grilles indiciaires de l'ensemble des militaires, le Haut Comité fit ici écho à une autre proposition qu'il portait déjà dans son précédent rapport et dont nous nous faisions déjà le porte-voix l'an dernier. Je vais bien évidemment parler de la nécessité de trouver un meilleur équilibre entre les deux composantes de la rémunération des militaires, que sont la part indiciaire et la part indemnitaire, mais aussi de construire un meilleur équilibre entre le début et la suite de la carrière. Donc ainsi, dans quelle mesure ce projet de loi de finances pour 2024 vous semble-t-il à même de répondre aux inquiétudes du Haut Comité? Avez-vous la sensation que les différents enjeux de la grille indiciaire sont pris en compte aujourd'hui et que la concertation et les moyens envisagés permettront d'y répondre réellement? Merci. Merci. La parole est à Franck Giletti. Qui ne peut... Et donc la parole est à Caroline Colombier, s'il n'y a plus de questions. Oui, pardon. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Secrétaire Général, Mesdames et Messieurs, en vos grades et qualités, je vous remercie infiniment de votre présence et de votre engagement. C'est toujours très agréable de vous écouter nous répondre. J'aimerais vous entendre sur ce qu'on appelle communément la militarité de notre société. Nous le savons, les nations que l'on s'en félicite ou qu'on s'en réjouisse ont souvent été fondées sur les valeurs guerrières, allant jusqu'à l'esprit de sacrifice, y compris dans notre propre histoire républicaine. Et nous nous interrogeons sur le manque d'attractivité et de fidélisation que connaissent actuellement nos armées. Il ne faut pas sous-estimer la perte progressive de ce sentiment national, dû en partie à l'individualisme croissant, ce que les anglo-saxons essaient d'endiguer, souvent par le biais de leur cinéma notamment, en exaltant leur histoire militaire. Aussi, je leur ai souhaité savoir quelles sont les pistes que vous envisageriez pour faire revivre cet esprit, ce sentiment, pour ne pas dire cette flamme, notamment parmi nos jeunes, pour renforcer l'attractivité de nos armées. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je ne vois pas d'autres questions. Monsieur le secrétaire général, madame la secrétaire, je vous propose de répondre maintenant avec les autres membres du CSFM. Dans les réponses du Conseil, je voudrais apporter deux précisions. Il a été fait allusion au séminaire de rentrée et aux questions sur le recrutement et la fidélisation, ainsi que sur le fait d'associer les collectivités locales aux réflexions du Conseil. Et cela m'amène à vous dire que ce sont des questions évidemment aujourd'hui cruciales et très actuelles, puisque le ministre et son cabinet sont en train de nous associer à la rédaction d'un mandat pour confier au CSFM effectivement des réflexions et des propositions à effectuer sur le recrutement, la fidélisation et le moyen d'améliorer nos liens avec les collectivités locales. Et s'agissant du logement, effectivement, grande préoccupation actuelle, nous avons cet après-midi à 15h même, ça n'était pas envisagé en lien direct avec votre intervention, monsieur le député, mais la directrice de l'immobilier hein, qui vient... faire une présentation devant le Conseil et recueillir aussi les réflexions et les propositions des concertants, cet après-midi même. Voilà, j'en ai trop dit et maintenant je laisse la parole à la secrétaire. Madame la secrétaire. Pour répondre à vos questions, je vais céder la parole à l'adjudant Cécile pour vous parler de tout ce qui concerne le plan famille, l'hébergement et le logement. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, vous avez souligné l'importance du plan famille, effectivement, qui aujourd'hui va engendrer 750 millions d'euros, qui est pour nous une avancée importante et une attente de la communauté militaire. À ce titre, le CSFM a largement contribué à l'élaboration de ce plan, puisque nous avons proposé 38 propositions, dont 21 ont été retenues. Nous avons également participé à un GT ministériel où lequel nous avons pu faire part de nos propositions. Le but du CSFM était toujours de concilier vie professionnelle et vie privée. Dans ce thème, nous avons voulu mieux accompagner la mobilité en faisant des réflexions sur, par exemple, la reconnaissance d'affectation avec le véhicule personnel qui n'était pas possible jusqu'à maintenant, ou encore la prise en charge de la concession de passage gratuit pour le militaire divorcé en lieu et place de l'enfant. Ce sont des mesures très concrètes qui étaient attendues par la communauté militaire. Le deuxième volet auquel nous nous sommes attachés, c'était mieux compenser les contraintes opérationnelles.
vous l'avez souligné largement, les offres de garde d'enfants, la mobilité et l'emploi du conjoint sont des éléments moteurs qui permettent aux militaires de mieux accomplir ces missions. Nous allons poursuivre également des mesures dans l'amélioration de la vie en enceinte militaire, qui fait part d'un second plan, qui ne fait pas partie du plan famille, mais qui va permettre d'améliorer significativement le quotidien de nos militaires dans leurs emprises militaires. À ceci, et vous l'avez mentionné plusieurs fois, nous avons réfléchi à l'intégration des collectivités territoriales. Effectivement, intégrer la famille dans son tissu local est pour nous important. Et nous avons étudié, effectivement, le quart de place, les dessertes des emprises militaires, accroître les offres d'horaires atypiques pour nos enfants, et pourquoi pas un label collectivité partenaire des armées qui pourrait nous permettre d'associer les bonnes pratiques dont vous en avez parlé, monsieur le député, et que nous essayons de recueillir auprès de l'ensemble des emprises pour diffuser, et c'est la commande du ministre, de diffuser les bonnes pratiques qui sont mises en place et qui pourraient nous permettre de mieux nous insérer et d'être reconnus dans notre collectivité. Nous serons très attentifs à la disponibilité effective des budgets et à ce que les bonnes pratiques qui soient faites dans le plan famille 1 soient continuées et poursuivies. Quand on parle de plan famille, on ne peut pas parler de logement. Enfin, on est obligé de parler de logement. C'est mon intervention secondaire. Vous l'avez souligné, la mobilité engendre une première source d'inquiétude, c'est trouver un logement. Même si tous les Français aujourd'hui subissent la contrainte des logements, il est important que l'on constate que la mobilité des militaires, elle, est souvent imposée et qu'elle doit répondre de ce fait à un logement sans difficulté. Donc on a souligné l'effort du plan famille avec l'accroissement du parc, des livraisons de logements en Outre-mer qui ont permis d'améliorer les attributions. Néanmoins, nous sommes conscients que le logement est aussi un facteur de fidélisation. À ce titre, le contrat Ambition Logement, qui est un effort important, mais sur le temps long, ne doit pas oublier que des réponses concrètes et rapides doivent être apportées pour que chacun puisse bénéficier d'un logement dans les meilleures conditions. À cela, les formalités administratives que vous avez soulignées, notamment avec la mise en place du logiciel Atrium, restent toujours complexes, lourdes et parfois opaques. Ce qui nous manque aussi, c'est le contact humain. Je cède la parole à mon camarade pour continuer les propos. Merci, adjudant. Ouais, je vais compléter sur la partie du logement, parce qu'on ne peut pas étudier ce dossier sans s'intéresser à la politique d'aide au logement mise en place par le ministère. Cette politique d'aide au logement a été modifiée et est en cours de modification, puisqu'elle dépend essentiellement de la nouvelle indemnité de garnison qui est dans le dernier volet de la NPRM et dont les effets seront effectivement sur la solde d'octobre. Donc on a vraiment une politique d'aide qui a vraiment été largement modifiée, puisque les critères d'attribution de cette aide ne dépendent plus des loyers, comme c'était le cas avant, mais sont basés désormais sur le zonage ABC de 2023 qui a été mis en place dans le cadre du dispositif d'investissement locatif dit Robien, refondu en 2006, 2009, 2014 et révisé partiellement en 2019 et 2022. Ce zonage va avoir un impact très fort sur la politique de logement, puisqu'il définit l'aide en fonction de votre zone d'affectation et plus forcément en fonction de la zone où vous habitez. Donc ça questionne forcément sur notre plan de stationnement, c'est-à-dire où sont installées nos bases, nos ports, nos régiments, par rapport finalement aux tensions locatives. Ce zonage, quand même, dernière révision 2014, on se doute bien qu'effectivement, le marché locatif de 2023 n'est pas forcément en adéquation. Voilà. Donc, quels seront les effets? C'est assez compliqué à savoir, puisque ça va forcément imposer à tous les militaires de se re-questionner sur quel est le type de logement que je vais prioriser, est-ce que je vais partir vers de l'accès à la propriété, ce qui est certainement très bien, hein, donc on verra si les effets vont dans ce sens-là.
ou vers d'autres choses. Voilà. Donc, une clause de revoyure est prévue en 2026 pour voir effectivement les effets. Ça, ce sera très, très important. Et ça nous semble très, très important parce qu'en fait, pour réellement savoir l'impact de cette politique, eh ben, il nous faudra des retours terrain. C'est-à-dire qu'effectivement, là, finalement, on part d'une politique peut-être nationale, à plus ou moins quelque chose qui va se voir sur les territoires et de façon locale, avec peut-être des divergences d'effets assez importants. Donc là, il y a tout un travail à faire qu'on suivra avec attention, qu'il faudra sûrement suivre localement entre les chefs d'emprise et les élus locaux, pour voir vraiment quels sont les faits. C'est d'autant plus important que toutes ces politiques basées sur des zonages viennent contrecarrer d'autres types d'aides. Alors, je me permets une petite infidélité à la commission de la Défense, mais je lis aussi certains rapports d'information d'autres commissions. Et il y a quand même un rapport assez intéressant sur la commission des affaires économiques sur les moyens de faire baisser les prix et les loyers en zone tendue hors IDF, qui est paru en avril 2023, qui pose cette question des zonages et qui fait plusieurs recommandations, notamment sur mettre en cohérence cette cartographie ABC avec notamment le décret qui définit les communes en zone tendue et qui a été qui a fait intégrer un certain nombre de communes cet été et qui permet de définir notamment les taxes à logement vacant ou les taxes d'habitation résidence secondaire. Tout ça, c'est lié parce qu'évidemment, à partir du moment où les militaires accèdent à la propriété, se pose la question du statut de son logement. Et vous le savez, avec notre surmobilité, on a des logements qui basculent d'une résidence principale à une résidence secondaire qui redevient une résidence principale. Donc en fait, voilà, tout ça, ça a des impacts. Alors, on le lit bien, c'est à regarder, on y est très attentif. C'est vraiment quelque chose que, dès le début de la NPRM, on a pointé. Cette nouvelle politique d'aide au logement, donc la NPRM ne peut pas se dissocier d'une politique de logement cohérente. Il faudra étudier les effets et il faudra voir au niveau de la clause de revoyure. Ce qu'on voit, c'est que pour le moment, en termes dans le cadre du PLF, parce que vous avez posé la question de tout ce qui peut être mis un peu dans le PLF, bon, on a une clause de revoyure, mais qui ne précise pas encore ce qu'il y aura dans nous. Ce qu'on souhaite, c'est qu'effectivement l'IGAR soit au cœur de cette clause de revoyure et qu'on étudie sous deux angles. Un, les montants, parce que c'est une nouvelle prime forfaitisée hors le locatif en 2026, on verra ce que ça donne. Donc pour moi, il n'y a pas d'indexation. Est-ce que c'est sur l'IRL? Est-ce que c'est sur d'autres critères? Et puis un travail sur cette cartographie ABC, parce qu'en 2026, moi, le marché locatif, je le connais moins. Voilà pour le type de mesures qui pourraient être intégrées au PLF. Pour le thème transverse du recrutement et de la fidélisation, pour rebondir ce dont parlait le lieutenant-colonel Fabrice, je vais céder la parole au commandant Benjamin et au quartier-maître Jean Vianney. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, si nous sommes présents devant vous aujourd'hui, c'est bien parce que toutes les mesures et toutes les questions que vous portez sont liées finalement au sujet de la fidélisation et du recrutement. Tout ce que l'on verra ici a un impact sur ces deux aspects. Vous avez évoqué tout à l'heure le fait qu'effectivement 456 ETP supplémentaires sont prévus, soit un écart de 35% par souci de réalisme. Alors quel est ce réalisme ? Le réalisme, c'est certainement soit on n'arrive pas assez à recruter, soit on n'arrive pas assez à fidéliser. Certainement un petit peu des deux. Donc le but finalement, c'est de trouver le bon équilibre entre les sujétions et les compensations, dans le but justement d'attirer du monde ou de garder des militaires pour pouvoir à long terme disposer de la quantité et de la qualité nécessaires pour répondre aux défis et graves crises éventuelles qui pourraient arriver à court terme ou long terme, à l'étranger, mais aussi peut-être sur le territoire français. Donc pour ça, il nous faut des hommes, puisque le matériel, c'est une chose, mais si vous avez personne derrière pour le servir, il ne sert finalement pas à grand-chose. Donc nous sommes ravis de l'effort qui est fait et puis du souci que vous avez tous ici de répondre aux problématiques de conditions militaires.
Les militaires, sans nul doute, aiment leur métier. Ils aiment l'intérêt. Enfin, ils ont un grand intérêt pour le métier qu'ils font. L'utilité, ils ont conscience de l'utilité et des responsabilités. Ils ont beaucoup de responsabilités. Le côté, l'aventure, les valeurs, le sens de l'engagement, tout ça, ce sont des choses qui parlent aux militaires. Alors, ils ont parfois, en plus des suggestions qui sont parfois lourdes à porter, hein, c'est souvent ce qui fait partir nombre de militaires, ils ont parfois aussi l'impression de porter un système à bout de bras parce que des effectifs contraints dans beaucoup d'unités, des systèmes administratifs très complexes qui font parfois perdre un peu le sens de la mission première du militaire. Et puis, parfois également... un sentiment de manque de considération, particulièrement au regard des sacrifices qui sont et suggestions qui sont les leurs. Alors comment faire pour améliorer ce recrutement, cette fidélisation ? Donc, on a différents aspects sur lesquels on reviendra plus en détail ensuite, je pense. Ce sont bien sûr les outils pécuniaires, donc que ce soit les primes, l'indiciaire ou les pensions. Un deuxième aspect sont des carrières plus attractives et dynamiques, de la reconnaissance également, à travers les pensions militaires d'invalidité, l'accompagnement des blessés, les plans logement, etc. Et puis la considération. Je pense que la considération, c'est très important, parce que souvent, les militaires que j'ai autour de moi ont l'impression d'être un peu oubliés, ou en tout cas pas très entendus, parce que travaillant dans l'ombre, souvent. Donc je vais vous donner un exemple concret sur un événement important à venir, celui des Jeux Olympiques qui auront lieu ici l'été prochain. Donc c'est vraiment pour imager, je vais faire des suppositions, mais simplement pour vous parler que l'impact que peuvent avoir parfois les conditions militaires sur l'image des armées. Donc imaginons que les armées sont employées, chose qui peut-être arrivera cet été. Je vais prendre la problématique des logements. Si jamais on se rend compte que nos militaires sont finalement logés, comme ça s'est fait un petit peu au début de Sentinelle, merci, dans des vieux entrepôts, des gymnases, avec pas de commodité, des rations, finalement... mal considéré, ça aura forcément un impact négatif. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, vous avez les réseaux sociaux et vous ne pourrez pas empêcher certains de prendre des vidéos et d'en faire part à leurs camarades. Et malheureusement, bah, écoutez, ça ne donne pas à nos jeunes forcément envie de venir servir dans ces conditions. Même si je vous garantis que le militaire est rustique et quand il faut dormir par terre, si besoin, quand la mission l'impose, ou aller... travailler en opération dans des conditions très difficiles, il le fait sans souci. Là, je vous parle vraiment de quelque chose qu'on a le temps de prévoir, etc. Donc voilà, pour cet aspect considération. Bien sûr, ça passe également par l'indiciaire et les primes, puisque aujourd'hui, vous le savez, vous l'avez évoqué tout à l'heure, la concurrence, elle est vraiment très forte. Et même parmi les officiers, une population qui jusqu'à présent était peu touchée par les problèmes de fidélisation. Aujourd'hui, on voit beaucoup de nos chefs d'expérience et de qualité quitter l'institution. Et le temps RH des armées est un temps long, puisque pour faire un colonel ou un général, il faut 25 ou 30 ans. Donc si aujourd'hui, on n'arrive pas à recruter, c'est une problématique qu'on va garder pour les dizaines d'années à venir. Voilà, je vous remercie pour ces quelques éléments. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, je me permets donc d'insister sur le fait que toutes les mesures précédemment évoquées ont un impact considérable sur la fidélisation. Je ne reviendrai cependant pas dessus. De plus, les mesures normatives intégrées à la loi de programmation militaire 2024-2030 devraient avoir un impact positif sur la fidélisation. Pour autant, certains sujets annexes sont tout aussi importants. Laissez-moi vous citer entre autres... les parcours de carrière, la reconnaissance, l'intensité opérationnelle, la reconnaissance des spécialités concurrentielles, ainsi que la compensation des sujétions. Tout d'abord, en ce qui concerne les parcours de carrière, je voudrais porter deux points à votre attention. Premièrement, il est important de valoriser et dynamiser
la deuxième partie des parcours de carrière des militaires du rang, notamment du point de vue de la rémunération. Deuxièmement, dans un monde où les Français ont aujourd'hui souvent deux ou trois carrières différentes au cours de leur vie active, il serait intéressant d'ouvrir cette possibilité aux militaires afin que ces derniers n'aient pas besoin de partir dans le civil pour diversifier leur parcours. À cette fin, il faudrait favoriser la prise en compte des diplômes civils acquis par les militaires, que ce soit avant ou pendant leur carrière. Ensuite, afin de fidéliser les militaires, la reconnaissance de ces derniers et de leurs actions est primordiale. Je ne reviendrai pas sur les pensions militaires de retraite, mais je ne saurais que vous redire toute l'importance qu'elles ont et la nécessité de les préserver, comme vous avez su le faire l'année dernière. Par ailleurs, la reconnaissance passe par la juste attribution des différentes médailles et citations. Lors de notre rencontre avec le ministre des Armées le mois dernier, celui-ci nous avait dit qu'il signait encore des citations qui dataient d'il y a plusieurs années. De plus, une révision d'attribution de certaines médailles est nécessaire afin de couvrir certains militaires qui n'ont aujourd'hui droit à quasiment aucune décoration. Je vous citerai par exemple le cas de l'attribution du titre de reconnaissance de la nation pour les sous-mariniers naviguant sur SNLE, qui n'y ont aujourd'hui pas droit du fait du caractère secret de leur mission. De même, il est nécessaire de revoir les conditions de régularisation et de revalorisation de l'attribution des médailles. En effet, il est régulièrement constaté que des militaires effectuant les mêmes missions dans les mêmes conditions n'ont pas tous droit à la même reconnaissance du fait qu'ils ne dépendent pas du même gestionnaire. J'évoquerai, à titre d'exemple, les militaires du service de l'énergie opérationnelle qui, lorsqu'ils accompagnent des militaires de l'armée de terre lors de convois, sont traités différemment de leurs camarades. Poursuivons avec l'intensité opérationnelle. Comme le disait hier devant vous le ministre des Armées, il est évident que nos militaires ne sont pas envoyés en opérations extérieures uniquement pour les occuper ou pour de quelconques raisons financières. Cependant, comme nous le disait le gouverneur militaire de Marseille lorsque nous l'avons rencontré au mois de mai, un militaire vit pour et par l'action, et un militaire désœuvré est un militaire qui partira dans le civil. Pour prendre un exemple concret, un camarade ayant fait partie du conseil nous racontait que son fils, engagé de l'armée de terre et affecté dans un régiment de parachutistes, avait pris la décision de quitter les drapeaux à la fin de son contrat du fait du manque d'activité entre deux opérations extérieures, opérations qui, vous le savez, se font de plus en plus rares, entre autres du fait du retrait des troupes stationnées en Afrique. À l'inverse, la suractivité n'est pas bonne non plus. Comme le savent certains d'entre vous, proches de mon armée d'appartenance, il est de plus en plus fréquent que des bateaux de la Marine nationale se retrouvent dans l'incapacité d'appareiller pour cause de manque de personnel. Outre le manque d'effectifs bien connu par tous, ce problème découle aussi de l'indisponibilité de ces marins, souvent épuisés par la sursollicitation de leur unité. Il est donc primordial de trouver un équilibre au niveau de l'engagement opérationnel. En ce qui concerne les spécialités concurrentielles, il est important de se pencher sur les leviers de reconnaissance à mettre en œuvre, ce qui permettrait d'augmenter aussi bien la fidélisation que l'attractivité des filières dont elles dépendent. Les spécialités concernées sont toutes les spécialités des domaines techniques transposables directement dans le monde civil. Je citerai parmi tant d'autres les mécaniciens, les pilotes, les frigoristes, sans oublier bien évidemment les spécialités du nucléaire, du cyber, ainsi que toutes les spécialités des différents services, comme le service de santé des armées, le service de l'énergie opérationnelle ou le service des infrastructures de la défense. Enfin, même si le sujet a déjà été largement abordé, il faut continuer le travail sur la compensation des diverses sujétions, dont, entre autres, la mobilité, sujet qui a déjà été largement abordé. Je vous remercie. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés,
Avant de laisser la parole au colonel Fabrice sur la partie indiciaire oui, de la rémunération, je vais refaire une courte incise sur la partie indemnitaire de la rémunération. On est pleinement dans le thème de l'attractivité et de la fidélisation, sujet transverse par excellence. Juste pour effectivement rappeler, comme ça a déjà été dit, que le troisième bloc de la NPRM rentre en vigueur ce mois-ci, donc avec des enveloppes budgétaires importantes qui y sont consacrées. Nonobstant cette enveloppe, vous le savez, nous avons deux sujets encore sur cette NPRM. C'est d'abord la fiscalisation de l'indemnité de garnison. Et là, effectivement, les militaires vont pouvoir mesurer en octobre 2024 voilà ce qu'ils gagnent ou ce qu'ils n'ont perdent grâce à l'indemnité compensatrice par rapport à cette indemnité. Mais véritablement, c'est à la feuille d'impôt 2025 que les militaires pourront faire un bilan complet et global des trois blocs de la NPRM. Cette fiscalisation, elle a un effet que je me permets de rappeler devant votre assemblée, c'est qu'on risque d'exclure de nombreuses familles d'aide sociale à laquelle ils avaient droit. Et là, l'augmentation des ressources est susceptible de faire percuter certains plafonds et donc voilà, d'empêcher certains militaires et leurs familles de bénéficier d'aides à laquelle ils avaient auparavant droit. Enfin, le dernier sujet sur la NPRM qui nous tient à cœur, c'est la forfaitisation des primes et leur non-indexation sur quoi que ce soit. Alors, il n'aura pas échappé à personne ici que l'inflation a été très importante. Et je vais prendre l'exemple, par exemple, de l'indemnité de sujétion opérationnelle. Ce sont des forfaits qui sont entrés en vigueur en 2022, mais qui ont été pensés avant 2022. Et on imagine bien que le pouvoir d'achat de cette indemnité a été largement grignoté. Et enfin, je voudrais, puisqu'il va être maintenant, je vais passer la parole au colonel sur la partie indiciaire et parler un instant de cet équilibre entre l'indemnitaire et l'indiciaire pour vous dire que le Conseil fait pleinement sienne l'observation du rapport du HCECM concernant le taux de remplacement, c'est-à-dire la différence entre le dernier salaire et puis la dernière solde et la première pension de retraite versée. Le HCECM a constaté donc que le taux de remplacement était plus faible, avait une faiblesse importante en regard de ce service dans la fonction publique. La solution qu'il préconise serait d'injecter une prime dans le calcul des pensions des militaires. Et bien évidemment, là aussi, c'est un élément bien évidemment de fidélisation, d'attractivité, etc. Voilà, je cède la parole respectueusement au colonel pour la partie indiciaire. Merci, Major. Alors, pour la partie indiciaire, il y a beaucoup de questions qui revenaient sur ce sujet. Donc, je vais essayer de toutes les synthétiser. Sur le sujet de la rémunération, effectivement, le Conseil supérieur de la fonction militaire demande depuis des années un travail sur les grilles indiciaires des militaires. Le constat, je pense qu'on le partage, il est connu depuis des années. Je vais pas forcément y revenir. Donc on accueille vraiment avec grande satisfaction cette loi de programmation militaire qui prévoit un volet indiciaire aux mesures salariales des militaires. Donc on le souligne, qui viennent s'ajouter aussi aux mesures de pouvoir d'achat du gouvernement. Ça se complète. Mais évidemment, on a quand même un point d'attention qui reste l'équilibre avec la partie indemnitaire. Dans nos travaux et dans tous les avis que le Conseil a rendus, on reste attaché à ce qu'on mène une approche intercatégorielle des réflexions des grilles indiciaires pour garantir notre escalier social. Au final, tout tient beaucoup par ça. Donc, même si des rapports sortent, on parlera certainement du rapport du HCECM sur les officiers, on ne peut pas regarder une grille catégorielle sans regarder les deux autres. Pour nous, ce n'est pas possible. Il faut maintenir les mêmes effets. Ce constat, il est partagé, puisque vous-même l'avez partagé dans votre rapport en préparation de la LPM au printemps, où vous citiez reconstruire l'escalier social, ou dans le rapport du HCECM, pour lequel est précisé qu'en parlant de la politique salariale des officiers, il faut d'abord assurer une cohérence de la politique de l'indiciaire entre toutes les catégories de militaires. Alors, notre position là-dessus, c'est que même si c'est prévu dans le temps dans la LPM, on a quand même aujourd'hui un vrai problème de pouvoir d'achat et un problème de fidélisation. Donc, si on veut finalement s'opposer à ces deux problèmes, ou tout du moins
les atténuer. On a besoin que cet effort indiciaire soit fait à court terme, c'est-à-dire immédiatement, avec des effets très très importants sur les militaires. Donc, dans nos travaux, et on a été associé aux travaux de réflexion en amont de la LPM, on a demandé que ce soit dès le PLF 2024 que soient inscrites ces mesures indiciaires pour tous. Donc, on note le calendrier prévu dans la LPM, une différenciation catégorielle, effectivement. Point d'attention qu'on souhaite quand même vous signifier, c'est qu'effectivement est prévu dans cette LPM, on parle souvent de grilles révisées, c'est bien les grilles révisées 2024 pour les sous-officiers, 2025 pour les officiers, mais ce n'est pas les grilles payées. Le calendrier, il est un peu plus étalé. Quand on regarde les montants associés, effectivement, alors c'est un peu difficile d'avoir le détail complet parce que les travaux ne sont pas finis et on verra quand le Conseil sera saisi sur ces grilles. Vous parlez de 184 millions de mesures salariales indiciaires. On parle de 475 millions de mesures catégorielles. Donc effectivement, on est sur une approche LPM, un tiers indiciaire, deux tiers indemnitaire. Mais pour payer ces 184 millions indiciaires, on est certainement en année pleine sur 26-27. Voilà. Donc nous, ce qu'on attend et ce que demande la communauté militaire, c'est que cet effort indiciaire il soit vraiment fait au plus tôt de la LPM. Ça nécessite certainement peut-être un budget supplémentaire. Alors on est conscient, on n'est pas en train de faire une lettre au Père Noël, mais chaque PLF, c'est bien de l'arbitrage. On voit qu'on est encore sur un rapport de tiers indemnitaire, un tiers indiciaire. Voilà. Il y a peut-être des choses à faire. Néanmoins, il faut rester quand même très positif. On a écouté avec attention l'audition de M. le ministre hier soir. Vous avez eu d'ailleurs la primeur de certains chiffres et de certaines annonces, donc on ne peut que le saluer. Il a effectivement notamment annoncé, pour la première fois, je vais dire officiellement, les chiffres concernant les grilles sous-officiers 2024, donc, ce qui est conforme aux travaux qu'on avait menés, avec certainement une grille qui vient aussi se mettre en cohérence avec la LOPMI, parce qu'il faut bien qu'il y ait une cohérence entre la LPM et la LOPMI pour prendre en compte l'ensemble des militaires, et puis une grille qui va conserver deux entrées, dont notamment l'ancienneté de service, qui est important puisque c'est ce qui permet de garantir à nos militaires du rang de poursuivre de belles carrières au sein du corps des sous-officiers. Et donc on ne fait que saluer. Voilà. On sait que les grilles qui vont être mises en place, elles vont quand même répondre à des effets qu'on a attendus. Voilà. Néanmoins, sur le calendrier, il y a certainement des choses à faire. J'ai écouté aussi M. le ministre qui a dit qu'effectivement, il y avait peut-être de l'argent qui, s'il ne serait pas utilisé pour du recrutement, irait sur des mesures de fidélisation. Ben, les grilles indiciaires, si ce n'est pas de la fidélisation, je ne sais pas ce que c'est. Voilà. Partie calendrier, donc j'en ai à peu près tout dit. Ah oui, si, quand même. Effectivement, il y avait une question notamment sur le cadencement catégoriel. Alors, je vous dis, on est très attentif, mais il s'explique aussi. La partie militaire du rang 2023 était aussi, au départ, un travail conjoint avec la NPRM, le volet indemnitaire. Donc on a bien c'est pour ça aussi que ces grilles sont sorties plus tôt. On en est, il y a quand même de très grandes évolutions. Mais néanmoins, l'installation des grilles derrière ne doit pas interdire à retravailler sur les grilles militaires du rang de demain. Pourquoi ? Parce que dans les premières études, on parlait de grilles qui devaient revaloriser les parcours professionnels. Or, ça a été détourné, mais pour des questions qu'on comprend tout à fait, c'est les hausses répétées du SMIC et du pouvoir d'achat qui ont amené à réarticuler les grilles un petit peu différemment. Donc il faudra continuer ces travaux. Monsieur le contrôleur général l'a précisé, nous allons être associés à ces travaux. Il y a des travaux sur l'échelle 4 des militaires du rang qui sont prévus dans le PLF 2024. Là, il y a aussi des choses à faire sur lesquelles on sera très, très attentifs. Sur le calendrier, dernier point, parce que là, je me permets de parler un petit peu du rapport du HECM sur les officiers, qui parlait également du cadencement, voire qui parlait de commencer par les officiers. Alors nous, on n'a pas cette approche de commencer par une catégorie en premier. Mais néanmoins, ce qui est dans le rapport est assez intéressant, parce qu'en fait, c'est une question de construction de grille. Et c'est important, effectivement, de commencer par les officiers. Pourquoi ? Parce qu'il faut regarder ce qui a été fait. Il y a quelque chose qui est sur la table, c'est la grille des administrateurs de l'État qui a été mise en place. Donc en fait, voilà, après on regarde la place des militaires dans la société, et comme cette grille a été mise en place, évidemment derrière se pose la question de la place des officiers dans la société au niveau de ces grilles, et si on commence par eux, forcément passant par le haut, on attire la grille des sous-officiers, on attire la grille militaire du rang.
Donc, pour nous, pas de différence, mais effectivement, il faut regarder en termes de construction, avoir une approche différenciée en termes de construction. Merci. Si vous souhaitez, Madame la secrétaire, si on peut reprendre, voir s'il y a à nouveau une série de questions, si vous avez encore des... Ou sauf si vous avez une réponse à nous faire avant. Monsieur le Président, nous désirions parler des blessés, si vous nous le permettez. Un sujet qui nous tient à cœur. Je vous remercie. Donc, pour ma part, je vais me charger... accompagné de mon camarade, l'adjudant Laurent, de faire un point de rappel sur les blessés. Donc, le plan blessé 2023-2027, avec 12 mesures phares annoncées dans le dossier de presse, 116 mesures retenues, 18 propositions du CSFM. Ce plan est évolutif, il est vivant. Donc nous attendons, nous avons été associés à ce plan comités. Nous multiplions nos visites et nos réunions au sein des unités pour avoir des remontées et pouvoir rendre compte au comité des bonnes pratiques, des moins bonnes pratiques, afin d'aider ce plan à prendre de l'ampleur. Les doctrines et les process existent, mais quelquefois, elles sont compliquées à appliquer, car le personnel assigné à cette mission n'est pas forcément formé. Dans notre note adressée au ministre des Armées en décembre 2022, nous insistons sur le besoin de professionnaliser le domaine du suivi des blessés au cœur des unités et au plus proche des militaires et de leurs familles. Des efforts ont été faits par la création d'une centaine de TP à cet effet, et nous le saluons. Pour autant, nous appelons l'attention de la représentation nationale sur le besoin exprimé par les blessés et leurs familles d'une chaîne et de la chaîne commandement locale sur l'effort du personnel dédié à cette tâche sur le terrain. Nous craignons que les frustrations vécues de cette communauté se concrétise dans le temps. Il s'agit également de la considération et de la reconnaissance du personnel assigné à cette tâche. Il serait appréciable que ces efforts s'accompagnent de mesures qui soient diplômantes et qualifiantes pour le personnel qui serait assigné à cette tâche dans toute la chaîne commandement, que ce soit au plus proche des unités en local jusqu'au plus haut niveau de cette chaîne. Je cède à présent la parole à l'adjudant Laurent pour continuer. L'adjudant Chef. Merci. Monsieur le Président, mesdames et messieurs les députés, le Conseil supérieur de la fonction militaire a été consulté dans le cadre de la LPM sur la partie normative. Je voudrais revenir sur certaines mesures qui ont réellement un impact sur la condition militaire. La garantie du versement du reliquat de solde est un symbole fort de la reconnaissance de la nation pour la communauté militaire. Elle va permettre d'éviter des formalités pour récupérer des trop-perçus auprès des familles endeuillées et va protéger davantage les ayants droit des militaires décédés. De ce point de vue, c'est une mesure qui nous paraît extrêmement importante. La mise en place de la réparation intégrale pour l'ensemble des militaires est également une avancée importante. Les militaires blessés n'auront plus désormais à prouver qu'il y a eu faute de l'État. Dans le texte initial qui nous avait été présenté, figurait la prise en compte de la douleur. Le Conseil avait salué l'avancée que représentait la prise en compte de cette notion de douleur permanente et de troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelle, familiale et sociale. Il est regrettable que cette notion ait disparu du texte. Merci. Très bien, monsieur le secrétaire général. Oui, sur le sujet des blessés, je voudrais apporter une petite précision. Madame Patricia Mirales, secrétaire d'État des anciens combattants et de la mémoire, est venue lundi devant le Conseil présenter de manière exhaustive son plan et lui a informé de sa décision de l'associer au comité de suivi de ce plan blessé. Voilà. Bien, merci monsieur le secrétaire général. Je ne sais pas si parmi les collègues, il y en a certains qui veulent intervenir à nouveau.
Je vous en prie. Madame Corinne Vignon. Oui, merci. Je tenais à intervenir pour vous dire à quel point moi j'apprécie ces auditions, parce qu'elles sont claires et transparentes, ce qui n'est pas toujours le cas, je dois vous dire. J'aime le langage cash. Et grâce à vous, nous avons les vrais éléments. Alors, une chose, il y a deux choses qui retiennent mon attention. Enfin, j'ai noté plein de choses. Oui, il y a un problème. Voilà. Ah, pardon, ça va mieux comme ça. Le service de soutien sous tension et les soutenants qui ont des difficultés. Eh bien, je vais dans votre sens, puisque je suis allée au bureau du logement il y a quelque temps à Toulouse, je me rends compte qu'il n'y a que 4 personnes, dont 2 souvent absentes pour des raisons diverses et variées, qui s'occupent du logement. Sachant qu'à Toulouse, il y a environ 350 logements, à Bordeaux, et c'est Bordeaux qui s'occupe de Toulouse, il y a 1300 logements. Bon, je vais passer sur le fait que Bordeaux, tout d'un coup, a beaucoup de logements, et Toulouse, tout d'un coup, est complètement oubliée. Mais enfin, bon. Tout ça pour vous dire qu'il faut effectivement professionnaliser les soutiens, les soutenants. Il faut augmenter leur nombre. Et sachez que dans 15 jours, même pas 10 jours, j'ai rendez-vous avec le Minarm pour régler ce souci. Et mon cas de Toulouse n'est pas le seul, bien évidemment. Et j'aime beaucoup votre proposition sur le label collectivité armée, mili-friendly, vous voyez. Eh bien, écoutez, moi, je vais militer en ce sens parce que je trouve que c'est une idée géniale. Je vous remercie. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions complémentaires? Je n'en vois pas. Est-ce que, Madame la secrétaire, si vous souhaitez apporter une dernière réponse ou un mot de conclusion, peut-être avant que le secrétaire général également nous dise un dernier mot. Monsieur le Président, mon camarade l'adjudant-chef Laurent désirait parler de la réserve. C'est un sujet qui nous porte notre attention. Je lui cède respectueusement la parole. Et, il n'a échappé à personne l'ambition de doubler les réserves d'ici 2030 pour les porter en 2035 à 1 militaire de réserve pour 2 militaires d'active. Cette volonté va avoir forcément un impact pour les armées. Dans la loi de programmation militaire, de nombreuses mesures vont avoir justement une importance pour le doublement de cette réserve, permettront justement une attractivité et une fidélisation supérieure. La validation de certaines compétences acquises dans la réserve militaire pour le réserviste inscrit dans l'enseignement supérieur devrait avoir un effet. De même, la possibilité maintenant pour les réservistes spécialistes d'avoir un avancement sur le poste qu'ils occupent est réellement une avancée. C'est une forte attente de ces personnels. Lors du groupe de travail ministériel qui avait été mis en place sur les réserves, le Com Cyber, des personnels du Com Cyber avaient exprimé cette demande. C'est également une possibilité pour le service de santé des armées de fidéliser ces réservistes dont il aura besoin. Le placement de la limite d'âge désormais fixée à 72 ans sous réserve d'aptitude médicale permettra d'élargir le vivier. On parle désormais d'une aptitude à l'emploi. On n'est plus sur une aptitude à la fonction. En ce qui concerne le maintien en compétence des anciens militaires, je parle ici de la réserve opérationnelle de deuxième niveau, les mesures qui figurent dans la loi de programmation militaire, le fait de pouvoir rappeler sur 5 ans, 5 jours par an, les anciens militaires, va également avoir un impact sur la fidélisation. Pour le militaire d'active qui est placé en congé parental, en congé pour convenance personnelle ou en disponibilité, la possibilité de souscrire un engagement à servir dans la réserve va permettre aux armées et aux militaires de conserver les compétences. C'est également une demande forte de la communauté militaire. On peut citer comme exemple un couple de militaires dont l'un des deux va être muté
outre-mer. Son conjoint n'aura pas d'autre solution pour le suivre que de se placer en congé pour convenance personnelle. La possibilité maintenant de souscrire un engagement à servir dans la réserve lui évitera de perdre ses compétences et va participer à cette fidélisation. Il y a deux points de vigilance pour le Conseil supérieur de la fonction militaire par rapport à cet objectif de doublement de la réserve. On doit bien prendre en compte que cette action doit se faire en complément de l'active et non pas en substitution de celle-ci. Ceci est vraiment un point important pour le Conseil. De la même manière, le Conseil souhaite alerter sur l'obligation de définir un modèle de réserve complet qui va intégrer l'impact sur le personnel d'active en matière de recrutement, en matière de formation, en matière d'équipement et de soutien. Ce sont vraiment deux points que le Conseil souhaite souligner. Je vous remercie. Très bien. Je vous en prie. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je te cède la parole. Oui, comme il ne faut pas partir sur des regrets. Je ne veux pas refaire le match de la réforme des retraites, mais je voulais vous faire part de deux points d'interrogation. J'avais plus de points que ça, mais je vais vous faire part que de deux points. Initialement, dans le projet initial, la décote carrière longue était prévue d'être portée à 54 ans. Ils avons constaté qu'au final, cette décote carrière longue avait été laissée à 52 ans. Juste pour vous dire que ça nous a interrogés, parce que nous avons justement de gros difficultés à fidéliser. Et finalement, cette bande de décote, c'est une incitation au départ, ou alors c'est une incitation à rester, selon de quel côté on se trouve. Mais dans l'hypothèse où c'est une incitation au départ, on a été surpris finalement qu'on ne se permette pas de garder 2 ans de plus des militaires, c'est-à-dire qu'on laisse cette borne à 52. On a trouvé ça un peu incohérent avec les difficultés de fidélisation. Et deuxième point, dans le même ordre d'idée, c'est la suppression de la dégressivité de la borne du cinquième. Donc, en fait, on est passé d'un escalier à une marche, puisque cette dégressivité, cette bonification disparaît complètement après 62 ans. Et là aussi, nous avons des militaires dont les limites d'âge sont supérieures à 62 ans. Et du coup, nous nous sommes interrogés sur cette incitation au départ à 62 ans, alors que de limite d'âge. Monsieur le contrôleur général sourit parce qu'il est dans cette situation, bien évidemment. Mais du coup, ça amènera sans doute des militaires dont les limites d'âge sont supérieures à 62 ans à partir avant 62 ans. Voilà, deux points d'interrogation sur cette réforme. Merci. Merci en tout cas pour ces deux points complémentaires que nous avons bien notés. Les points d'interrogation également de vigilance concernant la réserve, enfin, sur le fait que ce soit bien un complément et pas une substitution, et puis de bien prendre en compte le modèle d'armée complet, le plan B, enfin sur le plan des blessés également, les choses sont bien prises en compte et sur tous les points que vous avez abordés. Monsieur le secrétaire général, vous souhaitez nous dire un mot de conclusion pour nous donner un peu les perspectives des travaux du CSFM pour l'année qui arrive? Bien, merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés. D'abord, j'espère que cette audition aura permis de répondre à vos interrogations ou du moins aider à vos réflexions sur le PLF 2024 et sur les grands enjeux. Et en complément des auditions de celles du ministre, du SEMA, des grands chefs et des directeurs qui vont venir devant vous. C'est vrai que... Alors, ce qui est très important de savoir aussi, c'est que, comme vous l'avez dit dans votre introduction, le Conseil s'est vu renouveler dans un cadre normal à hauteur de 40% cet été. Donc le Conseil, il vit aussi et nous rejoignent des militaires qui arrivent directement des unités et que rapidement nous formons et qui se forment à ces réflexions sur la communauté militaire, sur la condition militaire. Donc les préoccupations du Conseil, elles vous ont été indiquées par la secrétaire. Ce que je voulais simplement rajouter, mais je l'ai dit aussi, c'est que je pense que le ministre au cabinet ont pris conscience de l'importance de ces retours de terrain et de leur confrontation avec les CFM pour confier effectivement aux CSFM des mandats particuliers. Donc là, je pense que sur le recrutement, la fidélisation, le lien avec les collectivités territoriales, de par le fait que chacun des membres reste ancré dans son
une affectation d'origine en même temps, mais il y aura des propositions innovantes et en tout cas qui viennent bien du terrain pour compléter les réflexions menées aujourd'hui par les administrations centrales. Et nous veillerons toujours à ce que les représentants de l'administration centrale viennent se frotter aux questions des militaires et de la communauté au CSFM. Donc on les reçoit dans une logique de chat à mouse, mais je peux vous assurer que c'est assez instructif. En tout cas, je tiens beaucoup à ce que le Conseil, dans ce format-là, puisse avoir cette liberté de pensée et d'expression qui était chère à Michel Debré, donc lorsqu'il a mis sur pied ce Conseil de la fonction militaire. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Secrétaire général. En tout cas, nous, je peux vous dire qu'à la Commission de la Défense, au travers des auditions, des visites qu'on a, la question de la condition militaire est toujours une question qui est centrale, qui est au cœur de ce sujet-là, qui est portée en particulier par le groupe de travail sur les hommes et femmes de la Défense, et que nous tâcherons d'élargir un peu, notamment dans le cycle sur la défense globale, notamment sur votre idée sur les relations avec les collectivités, pour montrer qu'il faut qu'on établisse parfois des passerelles à la fois sur ces sujets d'infrastructure, sur également les conditions d'employabilité, par exemple, des anciens militaires dans le secteur civil, la manière dont on peut s'appuyer également sur des compétences civiles dans l'autre sens. Donc on aura bien à cœur de faire vivre ces enjeux sur la condition militaire tout au long de nos travaux. Et c'est pourquoi je vous remercie encore de votre engagement et de votre présence aujourd'hui pour nous éclairer à ce sujet. C'est vraiment précieux pour nous. C'est même indispensable pour que nous puissions contribuer utilement à ce sujet. Et voilà, mes chers collègues, pour clôturer cette audition, je vous donne rendez-vous cet après-midi à 15h pour l'audition du secrétaire général pour l'administration et vous souhaite à toutes et à tous un très bon appétit. Merci, Monsieur le Président. C'est à chaque fois très complet.